auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Omega, le commencement et la fin, nous vous remercions Seigneur pour grâce, amour, compassion et miséricorde, vous exercez envers nos Seigneurs. Vous te couvrez, nous cachez, nous avons grâce. En bas puissance, vous ne pouvez pas arriver, nos Seigneurs. Vous te protégez, nos Seigneurs. Vous te bas nos protections parce que vous êtes protecteur. Non. Je dis à Papa, nous prenons le partager parole. Nous demandons, Père Saint, vous va continuer à éliminer l'esprit, non, intelligence, non, Seigneur, pour être capable de partager la parole, Seigneur. T'en prie, parle, Seigneur, servis-toi à côté. Non, pas pour parce que non, bon. Non, pour dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, nous saluons, ou même cap suivant à travers le monde, différents côtés à travers le monde, soit États-Unis, soit Canada, soit la France, soit, nous capable de dire, en Haïti, Santo Domingo, Chili, Équateur, Argentine, cap sur dans différents côtés dans le monde là. Non salut ici avec tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. C'est parole vivante et d'espoir étude pour la cantine de la carrière. Donc je vous dis à continuer partager la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute étudio, pas seulement écouter mais partager parce que l'on partager étudio ou ben possibilité n'est-ce pas pour une âme sauvée. Parce que mission non, c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce que non pas existe encore sur la terre. C'est rêve dans ça. C'est pour nous continuer partager l'évangile pour le monde là. Pour Christ, parce que c'est rêve dans ça, pour mon Dieu. Donc, je vous dis encore, nous allons continuer à partager étudio. Chaque fin, côté étude, il y a une possibilité, ou après, c'est voyons link qui gagne étude là en PDF, ou une possibilité pour partager link ça avec toute étude là. Nous avons une possibilité là pour côté étude là et en même temps, la garder, la accompagner. Non. Donc, link là, toujours disponible. Nous sommes capables de dire sous. En bas page YouTube là dans la description, vous avez possibilité pour télécharger link là de façon pour capable partager. Vous avez possibilité pour partager parce que c'est travail dans ça, c'est pour nous partager l'évangile. Donc aujourd'hia, nous avons l'autre sujet que nous allons avec aujourd'hia qui est très intéressant, qui c'est un cœur humble. Très intéressant, un cœur humble. C'est le sujet dans ça pour aujourd'hia, un cœur humble. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques là le droit, ou bien la droiture, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec Dieu. Souligner ça pour nous. Et que tu marches humblement. Humblement, nous disons, c'est un adverbe là. Ok? Humblement, n'est-ce pas, c'est adverbe là. Donc, non, c'est humilité. Humblement, ça veut dire c'est marcher avec humilité, avec Dieu. Nous dit sujet, donc c'est un cœur humble. Donc, Michée 6, verset 8. Nous venons ça dans Michée 6, verset 8. Donc, les Seigneurs nous demandent de marcher à ses côtés avec humilité. Avec humilité. Donc, marcher avec humilité est bien. Nous dit l'Écriture. Donc, ne pas marcher dans l'humilité est mal. Nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons faire bon Dieu plaisir. Nous voulons, n'est-ce pas, faire ce qui est bien et nous éloigner de ce qui est mal. D'après Proverbe 8, verset 13. En nous garder avec vous, Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Nous lisons ça. Il dit, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Waouh. La crainte de l'Éternel, l'on est craintif pour bon Dieu. Ou crainte pour Dieu, c'est l'oreille mal. Donc, sous-aimer le mal, ou pas crainte pour bon Dieu. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, il y a des mots là. Des mots, ça, c'est synonyme. L'arrogance et l'orgueil. N'est-ce pas? La voix du mal. Ça y est. L'arrogance et l'orgueil nous dit, ouais, la voix du mal. Et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. L'Éternel qui a parlé là. Il dit, mais Samraïa. La bouche perverse, voilà ce que j'ai. Donc, nous dit ici, et nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons faire bon Dieu plaisir. Nous voulons faire ça qui est bien. Et éloigner nous de ça qui est mal.
Il est donc très important pour nous de comprendre ce qu'est l'humilité, qui ça l'humilité a. Il est important pour nous comprendre ça l'humilité a. Et ainsi, qu'est-ce qu'il ne l'est pas? Il est important pour nous comprendre ça l'humilité a et ça le paye. Donc maintenant, soulier pour nos premiers points, c'est l'humilité et l'orgueil. Donc l'humilité, c'est simple, c'est le contraire de l'orgueil. Ok, il t'a demandé pour une fond tirer. L'humilité, n'est-ce pas, c'est le contraire de l'orgueil. Nous sommes capables de faire une histoire rapidement. Donc, orgueil, côté sa sortie. Laisse vérifier. Et nous connaissons, n'est-ce pas, Lucifer, ok, les pas de Satan, mais il est Lucifer. Lucifer, n'est-ce pas, qui veut dire lumière. Il est un ange de lumière. Eh bien, c'est lui-même qui était responsable, qui était chef d'orchestre, qui était responsable, l'orange en l'air. Maintenant, l'aile gardé, lui, où elle est, Zanja Baye, bon Dieu, gloire. Jean, ça fait bon Dieu bien, Jean, ça fait bon Dieu plaisir. Eh bien, il voulait monter trône, il veut monter tête de pire au passé, bon Dieu. Maintenant, monter tête de pire au passé, bon Dieu, maintenant, ça c'est orgueil. Maintenant, bon Dieu, ouais, n'est-ce pas, il veut monter trône de pire au passé, il veut monter tête de pire au passé, orgueil montel. Il sentit gloire à yo. C'est lui que t'as dû apprécier, yo. C'est ça, orgueil là. Il veut monter tête de pire au passé, bon Dieu, il dit donc, c'est moi que t'as dû apprécier, c'est moi même qui t'as dû apprécier, gloire à yo. Il dit m'a monté ouais il monté tête livre monté tête pipo pour le capable recevoir le voir ça qui arrivé bon Dieu ouais ça bon Dieu pipé là bas bon Dieu pipé là bas avec tout un escorte d'anges qui suivent lui c'est là orgueil la prendre naissance il veut tête pipo passer bon Dieu donc on dit orgueil c'est l'œuvre monter tête humilité c'est l'œuvre baisser donc on dit l'humilité et l'orgueil, qui c'est le premier point non, pour aujourd'hui. L'humilité et l'orgueil. Donc, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Nous avons dit ça déjà. Contraire humilité, c'est orgueil. Donc, les versets suivants nous montrent quelles sont les conséquences de l'orgueil, comme celles de l'humilité. Ça veut dire orgueil a des conséquences et l'humilité a des conséquences. Donc, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Ouais, le cœur de l'homme s'élève, l'élevé. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède, ça veut dire précéder, ça veut dire l'iviner avant, ça veut dire placer avant. L'humilité précède la gloire. Nous capables de garder, nous jeunes ça dans Proverbe 18, verset 12. L'humilité précède la gloire. Nous capables, nous exemple qui clair, ouais, Jésus-Christ, il vient mourir, baisser, l'humilier. Après ça qui passe, il recevoir la gloire. L'humilité précède la gloire. Il vient avant la gloire. On dit l'orgueil d'un homme, la baisse. Ça veut dire humilité, n'est-ce pas? Qui ça qui passe? C'est baisser ou? Orgueil là, qui ça le fait? Humilité a baissé ou? Orgueil là même, qui ça le fait? Orgueil d'un homme, qui ça le fait? L'imbécile. L'imbécile. Maintenant, ouais, l'orgueil d'un homme, la baisse. Ça veut dire les gens qui cherchent à monter tête. C'est baisser à baisser. Parce que Jésus qui dit ça. Jésus qui dit les gens qui veulent lever tête. Il y a baissé. Et les gens qui baissent, il y a levé. Vous voyez? Les gens qui veulent monter tête, ça c'est orgueil. Il y a baissé. Et les gens qui baissent, parce qu'ils humilient, il y a monté. Donc, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. D'après Proverbe 29, verset 23. Nous avons l'autre verset qui trouve là, Proverbe 11, verset 2. Le bon pour nous garder, texte ça. Proverbe 11, verset 2, il dit quand vient l'orgueil, l'orgueil a venu, vient aussi l'ignominie. Béni soit l'Éternel. Quand vient l'orgueil, béni soit l'Éternel. Quand vient l'orgueil, n'est-ce pas? Vient aussi l'ignominie. Intéressant. Quand vient l'orgueil, n'est-ce pas? Vient aussi l'ignominie. Donc, on est capable de dire, ignominie n'a pas au synonyme. Non. Synonyme, c'est honte. Opprobre. OK, non bon synonyme là. Avec synonyme non, il y a possibilité pour comprendre ni parce qu'on s'arrête la honte. Donc l'ignominie nous dit c'est disons c'est synonyme.
Alors la honte c'est synonyme de ignominie. Ignominie nous gagne m'ta capable di disons donc définition mot ça. L'ignominie nous dit c'est un nom féminin. Action ou parole infâme. C'est ça ignominie oui. Action ou parole infâme. Grand déshonneur public. C'est ça qui ignominie, c'est la honte. On dit mot ça les pour synonyme la honte. Donc maintenant, les on dit quand vient l'orgueil vient aussi l'ignominie. Non, veut dire quand vient l'orgueil vient aussi la honte. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse, n'est-ce pas? Il y a avec moun qui humble. Béni soit l'Éternel. Il y a avec moun qui humble. Quand vient l'orgueil, le orgueil a vini. Eh bien la honte, il vient tout. Ça veut dire la honte marche avec l'orgueil. La honte vient tout. Mais la sagesse est avec les humbles. Nous songeons, il y a un roi qui était le roi Nebuchadnezzar. Roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, pas de aucun respect pour mon Dieu. Il n'a pas respecté mon Dieu. Parce qu'il l'a gardé, n'est-ce pas, ça a réalisé, n'est-ce pas? Il n'a pas de aucun respect pour mon Dieu. Parler mal de mon Dieu parce qu'il a un pouvoir. Parce qu'il est difficile, les gens ont un pouvoir pour gagner humilité. Non. Il est difficile. Et bien, puisqu'il a pouvoir la contempler, n'est-ce pas, ça réaliser avec men. Eh bien, l'Éternel fait Wané Bikadneza, al manger zeb. Passé environ 7 ans à manger zeb. Ça fait ça. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, vient aussi la honte. Fait à manger zeb ta koubette. Yes! Sel bagay. Bon Dieu, pas jouer à ça. Gloal. Li pas jouer avec gloal. Parce que qui ça qui passe? Orgueil, c'est ou nan péché. Bon Dieu, pas le ouais. Parce que c'est péché ça qui te fait Satan. Vle mou te te pire au passé. Et puis bon Dieu, pipe là bas. Yes! Le orgueil la vini. La honte. Le vini tout. Nous avons le texte encore. C'est toujours Proverbe 16, verset 18. Béni soit l'Éternel. Proverbe 16, verset 18. Non, il dit comme ça. Il dit l'arrogance. Béni soit l'Éternel. Il dit l'arrogance précède la ruine. Béni soit l'Éternel. L'arrogance hein, précède la ruine. Mon autre mot encore. Arrogance. Arrogance, tant que je n'en sais pas, c'est synonyme de orgueil. Donc, arrogance, nous dit, c'est orgueil. Comportement hautain. C'est ça, oui. Arrogance, hein? Comportement hautain. Nous dit, c'est suffisance, mépris. Insolence, orgueil, supériorité. Tout pour ça, c'est synonyme de arrogance. Tout pour ça, c'est synonyme de arrogance. Maintenant, on dit arrogance, c'est synonyme. Ouais, gain arrogance, gain suffisance, fierté, autosatisfaction, on satisfait avec propre tête main. Orgueux. Tout pour ça yo. Prétention. Tout pour ça, c'est synonyme. Arrogance, orgueil, tout c'est synonyme. Donc nous dit ici côté nous fait lecture, il dit l'arrogance dit précéder la ruine, béni soit l'Éternel. On dit précéder, ça veut dire venir avant, béni soit l'Éternel. L'on dit précéder, ça veut dire venir avant. Donc on dit, nous avons l'autre mot encore qui fait apparition là. C'est la ruine. L'arrogance précède la ruine. Maintenant, la ruine, c'est un nom de, on est capable de dire féminin, qui c'est bâtiment délabré, état de délabrement d'un édifice. Pète des biens. C'est ça, mon ruinaye. Yes! Pète de la puissance, pète de la beauté. Satan, n'est-ce pas, qui était Lucifer, qui était ange de lumière, li pète, n'est-ce pas, li pète du beauté. C'est ça, oui. C'est ça que fait texte l'a dit, n'est-ce pas, l'arrogance, ça qui passe. Il précède, ça veut dire le vini avant la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Orgueil, là, qu'est-ce qui s'est passé?
li précéder la chute. Puisque Satan, n'est-ce pas, monte trône ni pire ou pas c'est bon Dieu. Ça bon Dieu fait. Bon Dieu pipé là bas. Il chutait. Yes. Proverbe 22 verset 4. Proverbe 22 verset 4 qui ça le dit? Il dit que là, il dit les fruits de l'humilité. Bon mais fruits humilité. Nous se trouvons pour orgueil là qu'on y a. Ça c'est ça nous se trouvons conséquence orgueil là. Les fruits de l'humilité. Les fruits de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Li, ouais, li important, li son obligation pour nous humbles. Fruit humilité à qui ça lié? Le fruit humilité à fruit l'orgueil crainte pour l'Éternel, c'est qui ça lié? C'est la richesse. Donc a dit fruit orgueil à ça lié, c'est la pauvreté. C'est la honte. On dit fruit humilité, fruit crainte l'Éternel, c'est richesse, c'est la gloire et la vie. Béni soit l'Éternel. Fruit humilité, n'est-ce pas? Fruit crainte l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Vous pouvez vendre, n'est-ce pas? Verset 4. En nous gardons le texte dans Luc 11, Luc 14, verset 11. Luc 14, verset 11. Luc 14, verset 11, nous lisons ça. Il dit, car quiconque s'élève sera abaissé. N'importe qui qui veut lever tête, il a baissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit, n'importe qui qui veut lever tête, ça c'est orgueil, il a baissé. Et n'importe qui qui baisse, ça veut dire, ça c'est l'humilité. Parce que l'humilité, n'est-ce pas, il faut baisser. Orgueil, il faut monter où. Il dit quiconque s'abaisse, n'importe moun qui veut baisser tête li, il a levé. Ouais, Jésus-Christ, il vient de mourir, n'est-ce pas? Papa voye, il vient de mourir, il baisse. Il levé. Yes. Quiconque n'importe moun qui levé tête li, il a baissé. Et n'importe moun qui baisse, il a levé. C'est pour nous baisser, non? Pour bon Dieu capable lever non. Les non baisser non, bon Dieu capable lever non. Parce que ça c'est l'humilité. La lever non. Donc nous comprenons à travers ce verset que nous venons de lire pourquoi l'humilité doit représenter un véritable fondement pour notre ministère. Ne pas avoir ce fondement, ça veut dire en parlant de humilité, signifiera à court ou à long terme chute. Pas de fondement ça. Livre dit à court ou bien à long terme. Livre dit chute, honte, destruction. Livre dit chute, honte, destruction. C'est ça, ça veut dire. Livre dit chute, honte et destruction. Béni soit l'Éternel. Livre dit chute, honte et destruction. Wow. L'orgueil étant le péché par excellence, nous sommes dit ça là. L'orgueil étant le péché par excellence, c'était des plus grands et des plus loin ont connu la chute à cause de l'orgueil. Considérez-moi, n'est-ce pas, qui était grand, des loin. Eh bien, ils connaissent la chute à cause de l'orgueil. La chute là maintenant dit ça c'est conséquence orgueil là. Depuis gen orgueil, chute là pas loin. A commencer par Satan lui-même. Ouais, Satan nous dit c'est ton ange de lumière qui t'a bailli bon Dieu gloire en l'air. Ange de lumière a commencé par Satan lui-même qu'on a chuté. Mais attention à ce que nous comprenons de ce que sont l'orgueil et l'humilité. Attention. Attention à ce que nous comprenons de ces questions. Qui ça, orgueil et humilité liées. Donc, l'humilité, donc au deuxième point, l'humilité n'est pas égale à la pauvreté. L'humilité n'est pas égale à la pauvreté. Non, l'humilité n'est pas égale à la pauvreté.
beaucoup de gens ont une fausse idée de ce qu'est l'orgueil et de ce qu'est l'humilité. En pile monde ont une fausse idée de sa orgueil et de sa humilité. Ils ont tendance à assimiler automatiquement, ça veut dire à confondre automatiquement l'orgueil à la gloire et l'humilité à la pauvreté. Ils ont tendance à assimiler automatiquement l'orgueil à la gloire et l'humilité à la pauvreté. Nous dit cela est dû à des influences religieuses dans le mauvais sens du terme, mais nullement à l'enseignement de la parole de Dieu. On peut être pauvre, se promener en haillons et être orgueilleux. Ou capable pauvre ou orgueilleux. On peut, par contre, posséder des biens, des richesses, ne manquer de rien ou pas manquer rien, être bien habillé et être humble. On peut, n'est-ce pas, par contre, posséder des biens ou capable de posséder des biens, des richesses, des matériels, ou capable de pas manquer rien. Et ou bien habillé et ou humble. Donc ça fait nous dire l'humilité n'est pas égale à la pauvreté. On peut également être un riche orgueilleux et un pauvre humble. Le point que je veux souligner est que l'humilité ou l'orgueil ne sont pas une affaire de richesse ou de pauvreté, mais d'attitude, de cœur. Mais ça me voulait souligner. Point que me voulait souligner là, point que me voulait souligner est que l'humilité ou bien orgueil là, li pa yon question ou bien yon affaire de richesse ou bien yon affaire de pauvreté. Mais li si yon attitude de cœur. Li si yon attitude de cœur, ça veut dire moun ki riche là, li capable orgueil souligner. Quand ça tombe moun ki riche là, li capable moun ki pauvre là, li capable orgueilleux comme ça tout moun ki pauvre là capable humble. Donc, nous dit que l'humilité ou bien orgueil, c'est pas une affaire de richesse ou de pauvreté, mais d'attitude de cœur. Nous voyons à travers les versets ci-dessus. Verset nous trouvons là que Dieu a prévu une rétribution pour l'une ou l'autre attitude que choisit d'adopter l'homme. Que Dieu a prévu une rétribution, béni soit l'Éternel. Une rétribution. Donc, comme ça veut dire ce mot, le mot rétribution. Nous dit, nous vérifions ici, n'est-ce pas? Dieu a prévu une rétribution. Rétribution, mot ça, c'est un mot féminin qui c'est, on dit la rétribution. Rétribution, c'est salaire pour un travail accompli. Mais ça, mot rétribution. C'est salaire pour un travail accompli. Léon Moun fait un travail, il y a un salaire qu'il recevoir. Mais salaire, ça, nous avons une rétribution. Nous avons un mot, ça, il y a un autre mot qui se donne ensemble avec lui, qui c'est rétribution, qui c'est récompense. Donc, l'autre mot encore qu'il utilise ensemble avec lui, c'est rémunération. OK, il y a différents autres mots encore, appointement, gratification, salaire, tout thème ça yo, châtiment éternel, tout thème ça yo. Mais ici, nous dit rétribution c'est salaire pour un travail accompli. C'est-à-dire, n'a pas donné côté nous sortir. Nous dit nous voyons à travers les versets sont liés là yo. Que bon Dieu n'est-ce pas a prévu. Ça veut dire bon Dieu prévoit une rétribution, un salaire, une rémunération. Pour yon ou bien l'autre attitude, on est capable de dire, l'aime dit yon ou bien l'autre, ça veut dire orgueil ou bien humilité, que yon moun adopté ou choisi humble, eh bien, bon Dieu, yon rétribution pour vous, yon salaire pour vous, yon rémunération pour vous. Ou choisi orgueil, bon Dieu, yon rétribution pour vous, yon salaire pour vous. Mais, c'est clair, moun ki choisi humble, eh ben l'a recevoir n'est-ce pas un bon salaire, bonne rémunération. Mais moun ki choisi
orgueil là la presse voyait une mauvaise rue n'est capable de dire rétribution donc et qu'en fait il veut faire partager à l'humble l'élévation il veut faire partager à l'humble l'élévation mon qui humble ça qui passer la level l'élévation la gloire la richesse c'est pour mon qui humble il dit ça alors qu'il destine l'abaissement à l'orgueil. Maintenant, pour moun ki orgueil, qui ça le destine pour lui? L'abaissement, la baissel. Parce qu'il dit n'importe moun qui veut level, il y a baissel. Et n'importe moun qui baissel, il y a level. Le baissel, ça c'est l'humilité. Bon Dieu, élevé. La levé, eh bien, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est la vie. Mais n'importe moun qui montel, il y a baissel. Dieu veut donner à l'humble, à moun qui humble, ce que l'orgueil recherche pour satisfaire son ego. Bon Dieu veut bailler à moun qui humble, ça qui moun qui orgueil a cherché, n'est-ce pas, pour satisfaire son ego. On peut donc être riche, partager la gloire, tout en gardant la tête sur les épaules et rester humble. Il est vrai. Le vérifier. Il n'est pas facile pour jouer dans le monde qui est riche, qui est humble. Non, il n'est pas facile. Mais il y a des gens qui sont riches, qui sont humbles. Il y a des gens qui ont des cobres, qui ont l'argent, qui sont humbles. Mais il n'est pas facile. Parce que certaines fois, l'argent dans lui-même lui fait des gens orgueilleux. Certaines fois, richesse là, lui fait des gens orgueilleux. Il y a des fois. Fuck, maintenant, c'est ça que je dis ça tout à l'heure, c'est une question d'attitude de cœur. Si les gens, l'été dans la pauvreté, l'été humble. Pendant le fait ça, l'vin gen kob, l'vin ogé, et bien pas jamais été humble vraiment. C'est état qu'il te y a qui te fait humble. Mais pas jamais humble vrai. Parce qu'ils ont dit sur question de attitude de cœur, il pas jamais humble vrai. Si pendant le pas gen l'argent, t'es humble pendant l'vin gen kob, il pas humble encore, il pas humble. C'est pauvreté ya, situation le théâtre qui te fait humble, mais pas vraiment humble vrai. Moun qui vraiment humble, même s'il était dans la pauvreté, même s'il vient de richesse, l'a toujours été humble. Béni soit l'Éternel. Dieu veut donner à l'humble ce que l'orgueil recherche pour satisfaire son ego. On peut donc être riche, partager la gloire tout en gardant la tête sur les épaules. Et rester humble. Nous dit le problème est que souvent Dieu fait progresser des personnes alors qu'elles sont humbles et parce qu'elles sont humbles parce qu'elles sont humbles et une fois élevées ces personnes s'enorgueillissent. Béni soit l'Éternel. Une fois mon nante humble, bon Dieu fait ça, l'élève. Pendant bon Dieu fait ça, l'élevé ça qui passe, mon nan vin orgueilleux. Li vin orgueilleux, n'est-ce pas? Parce qu'elles ont été élevées. Il vin orgueilleux, n'est-ce pas? Parce qu'il yo élevé. Comme fut le cas de Saül, long exemple. Oui? Comme fut le cas de Saül. Yes. Bon Dieu élevé, li vin orgueilleux. Mais il dépend de nous. Qu'il n'en soit pas ainsi, il dépend de nous-mêmes, mais pas comme ça. Et de marcher jusqu'au bout dans l'humilité. C'est pour marcher jusqu'au bout dans l'humilité. Pas parce que qu'on y a longtemps, hein? Ou t'as mal, ou pas t'as bien vu, ou pas t'as bien fonctionné. Ou t'es humble, qu'on fait ça, qu'on y a une possibilité, qu'on y a tout moyen, qu'on y a tout bagaille. Qu'on y a orgueil prend. Non. Marcher jusqu'au bout dans l'humilité. Seigneur, t'en prie Seigneur, kembem, pour en yon dans le monde, sa richesse, l'argent, connaissance, tout bagay sa yo, qui ta ka sou la terre, richesse, tout bagay, pa fem, vin orgye, pour me toujours baisser tête moi devant ou, bon capacité sa Seigneur, t'en prie, pa kite m'orgye pour sa m'vin posséder. Fais-moi pas prendre rien dans le monde là pour rien, pas considérer comme rien l'argent, machine, richesse. D'abord, me sentir dans moi Seigneur. Ou fais-moi pas prendre rien sous la terre comme rien. Parce que m'gon l'autre vision de yo. M'connais toute bagaille, c'est passé à passé. M'connais ça qui éternel, c'est la parole parce que Jésus-Christ dit ça clair, il dit toute bagaille passé.
Il dit c'est la parole qui a libéré éternellement. Donc on pas considérer rien sur la terre comment elle me servir avec m'utiliser yo. L'argent, machine, caille, m'utiliser yo. Yo pas qu'à faire monter tête moi devant vous. Kembe me Seigneur pour sentiment ça a toujours été dans moi. Donc ces raisonnements nous feront comprendre dans le prochain point. Raisonnement ça nous fait là yo, il a fait nous comprendre prochain point qui c'est l'humilité et la fausse humilité. Non ouais, l'autre point. L'humilité et la fausse humilité, ça veut dire qu'on fausse humilité. La fausse humilité n'est rien d'autre que l'orgueil. L'orgueil de l'humilité. Donc qui sa fausse humilité a? Il parle de bagaille qui est l'orgueil de l'humilité. Elle consiste à adopter une attitude extérieure. Pas une attitude intérieure, une attitude extérieure. Traditionnellement humble, pas plaisir. Traditionnellement humble, pas plaisir. C'est ça, c'est l'égal orgueil. Que l'on voit combien je suis humble. Donc la fausse humilité est une contrefaçon de l'humilité. Ce n'est pas vraiment l'humilité. Est une contrefaçon de l'humilité. Donc l'humilité est spirituelle. La fausse humilité est charnelle. Ce n'est pas une vraie humilité. On a montré l'humble, mais elle n'est pas humble vraiment. Donc l'humilité est spirituelle. La fausse humilité est charnelle. Quelqu'un me disait un jour, faisant allusion à son mode de vie, dénié, n'est-ce pas, de bien des choses. Il n'y a pas plus humble que moi. On peut servir Dieu sous les projecteurs, ça veut dire en bas projecteur, tout en étant humble. En fait, aujourd'hui, plus que jamais, le Seigneur veut mettre des hommes et des femmes qui les servent en vue. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en vue, ouais, vous êtes en vue, l'Éternel veut afficher ou, il veut faire ouais ou. Parce que lorsque vous êtes en vue, vous êtes en position de toucher un grand nombre. Certains serviteurs de Dieu aux États-Unis ont analysé les facteurs de croissance des églises. Ils ont noté qu'un des facteurs essentiels est d'avoir à la tête de l'église un pasteur qui sait associer l'humilité et la force. Le problème étant causé chez beaucoup par le fait qu'ils dissocient, ouais, dissocier, séparer, ces deux choses, bibliquement indissociables. L'un d'entre eux fait remarquer que c'est même un excès d'humilité qui empêche nombre de pasteurs de devenir les conducteurs que Dieu veut qu'ils soient. Car il nie, il nie être la personne clé pour entraîner la croissance. Pas crainte de ce que penseront les collègues. S'il y a beaucoup de gens qui font des choses motivées par l'orgueil, d'autres ne font pas certaines choses que Dieu voudrait qu'ils fassent. Pas crainte qu'on les accuse de faire ces choses par orgueil. L'humilité n'est pas une question d'être en vue ou non, mais de ne pas rechercher ces choses pour sa gloire personnelle. Mais ça, humilité a eu. De ne pas rechercher ces choses pour sa gloire personnelle. C'est pas chercher, n'est-ce pas, bagay ça, n'est-ce pas, pour gloire personnelle. Parce qu'ils doivent chercher pour gloire personnelle. Ça, c'est l'orgueil. Par exemple, yon moun qui gon bel kay, qui gon bel machine, li décide fè photo, mette photo sur Facebook. Il décide de mettre photo machine nan, montrer qu'il est dans machine nan, fait OL. Ça, fais attention. Ça son petit point orgueil. Parce que ou pas besoin montrer même sous tes belle ou vive non, on belle caille, non belle appartement. Même sous tes gon belle machine, ou des gon machine qui coûte 200 000, 300 000 dollars. Ou pas besoin montrer, ou pas besoin faire photo pour faire OL sur Facebook. Ou ap di machine ça coûte 200 000, 300 000. Ça c'est l'orgueil. Oui,
quel que soit jonta rele là, ça c'est l'orgueil. Ou pas besoin faire ouais ça. Non. Ça c'est l'orgueil. Ou pas besoin faire ouais. Est-ce qu'on son businessman, est-ce qu'on vend machine? Ou gon magasin qui vend machine. Ou a montrer machine ça pour moun capable acheter. Sou gon produit, ou a lancer produit, ou a montrer produit ça pour moun capable acheter. Ni pou bay ki mauvais. Par exemple, gen des bagages nous pour gen pour nous afficher là très bientôt. N'a préparé non pour n'être capable dire pour nous beaucoup fin faire préparation, nous gen des bagages nous pour le préparer, nous pour le montrer, nous pour le présenter sur tous les réseaux sociaux, nous gen pour nous faire ça. Nous créer nous c'est on capable dire un web designer, nous monter site web pour client et pour entreprise. Non en bas nous beaucoup afficher mais nous gain des belles sites web là des capable dire des gros des belles stores là qui très belles nous beaucoup afficher mais n'a préparé pour faire publicité pour montrer sur réseaux sociaux pour gagner client n'a fait qu'on est business non pour gagner client parce que plus nous gain plus monde qui connaît business là nous gain possibilité pour nous faire plus comme. Mais c'est pas pour nous faire ouais orgueil. Non. C'est pour business non. Si on fait publicité pour machine qui dans mon là. Parce que vous vendez machine. On fait mon connaît business ou, dit bah qui mauvais mais sous gain machine privée ou. On fait well, hein. Montrer qu'on gain belle machine ou gain belle caille. Non. Tout ça c'est pas qu'à passer. Donc voilà, avec rien. Nous vin tout tourner, nous pral tout tourner. Nous utiliser sous la terre et puis quitter aller. C'est comme ça y est. Donc l'humilité n'est pas une question d'être en vue ou non, mais de ne pas rechercher ces choses pour sa gloire personnelle. Dis bon Dieu merci pour toute grâce, toute faveur qu'elle manifeste envers vous, pour amour, pour grâce, pour compassion. Dis bon Dieu merci pour grâce qu'il fait. Gen bagay ou pa t'espérer sou ta posséder yo et ou rive posséder yo ou pa besoin faire ouais. Donc l'humilité c'est accepter d'être ou ne pas être en vue. C'est ça oui, c'est accepter d'être ou ne pas être en vue selon le plan de Dieu. Ce n'est pas utiliser sa personnalité à des fins individuelles, mais ce n'est pas non plus ne plus avoir des personnalités. Donc l'humilité n'est-ce pas c'est laisser Dieu utiliser notre personnalité pour ses intérêts à lui. Mais ça qui est militaire. C'est quitter bon Dieu utiliser personnalité. Non, ça veut dire quitter bon Dieu utiliser ça non hier. Parce que notre personnalité, n'est-ce pas? C'est tout ça non hier. Donc limiter c'est quitter bon Dieu utiliser personnalité non pour intérêt pour ses intérêts à lui, à sa manière à lui. Donc si l'humilité ce n'est pas chercher à s'élever, c'est aussi se laisser élevé. Si l'humilité, n'est-ce pas, c'est pas chercher monter tête ou, mais c'est aussi se laisser élever, ça veut dire quitter ou lever ou, quitter bon Dieu lever ou, pour pouvoir lever tête ou. Même si on ne le désire pas personnellement, comme ce fut le cas lorsque Dieu appela Moïse, dans son jet, par soumission à Dieu, dans son jet. Moïse, n'est-ce pas, qui était un serviteur de Dieu, n'est-ce pas, un grand serviteur de Dieu, bon Dieu, pour la délivrer Israël. Moïse dit, qui ça me bral dit? Il a cherché esquisse pour montrer qu'il n'est pas capable. Yes! Il montre qu'il n'est pas capable. Il baisse. Il montre qu'il n'est pas capable. Ça, c'est un signe d'humilité. Yes! Il montre qu'il n'est pas capable. Il baisse. Les moutes ils pas capable. Gédéon tout. Tu fais ça tout. Lèke ou pas capable. Bon Dieu non, ou pas capable vous montrer que pas capable. Bon Dieu levé ou. Alors par soumission à Dieu. Donc si cela coûte à l'orgueilleux d'être mis dans l'ombre, il n'en demeure pas moins que cela coûte au timide d'être mis en vue. Oui. Oui. L'humilité, c'est se soumettre à Dieu. L'humilité, c'est soumettre, n'est-ce pas, à bon Dieu.
quel que soit ses plans pour nous, quel que soit ses projets pour nous, c'est soumettre nous à bon Dieu. Ce n'est pas être dans l'ombre ou non. C'est vrai, c'est dire à Dieu que je suis en vue dans l'ombre ailleurs. Que ta volonté se fasse. C'est tout ce qui m'importe. Pour bien comprendre ce qu'est une chose, il faut aussi comprendre ce qu'elle n'est pas. Pour bien comprendre ça, yon bagaye, eh bien, faut qu'on comprenne tout ça, le baye. Donc, nous dit, l'autre point, non, c'est humilité différente de humiliation. Humilité, pas humiliation. Pas confondre humilité et humiliation. Nous te voyons que, bon Dieu, lever un blanc. Nous avons vu que Dieu, n'est-ce pas, veut élever le humble et abaisser. Qui c'est? Humilier. Bon Dieu voulait élever un blanc et abaisser. Le baisser pour le capable lever. C'est clair. Bon Dieu voulait élever un blanc et abaisser l'orgueil. Nous te voyons que bon Dieu voulait lever un blanc. Mon Dieu, un blanc. Livre, lever un blanc et baisser l'orgueil. L'orgueil, qui ça, bon Dieu fait? Bon Dieu, humilier. Nous songez. Esther. Avec Mardoché. Avec Naaman. Nous songez comment Naaman t'es préparé pour humilier Mardoché. Ou est-ce que ça t'est fait? Bon Dieu fait wa. Prends Naaman. Bon Dieu fait wa. Bon Dieu fait na. M'a capable de dire Naaman. Kounya c'est lui-même. Wa fait prend cheval là pour aller honorer Mardoché. Pendant qu'elle était préparée pour humilier Mardoché. Moun pas quitter moun. Moun pa ka baisser ou, moun pa ka humilier ou, même si on moun a fait plan pour l'humilier ou, de pour baisser ou, bon Dieu a levé ou. Oui. Bon Dieu, lever un blanc, li baisser ou bien li humilier orgueil. Donc en aucun cas, l'humilité ne peut être de l'humiliation. Maintenant, Dieu est parfois obligé de nous humilier pour nous rendre humbles. Quelquefois, bon Dieu obligé humilier non, pour le capable rendre non humble, pour le capable baisser non, pour le capable rendre non humble. Parfois, bon Dieu obligé humilier non, pour rendre non humble, parce que s'il pas humilier non, non pas humble. Donc, une fois l'humilité acquise par le biais de l'humiliation, il faut que l'humilité reste et que l'humiliation disparaisse. D'après 10 mots, ça dit là. Une fois humilité a mes pas li acquis, ça veut dire li paraît par les biais de l'humiliation, bon Dieu te li humilio pour capable renouvin eb. Eh bien, il faut que l'humilité reste, ça veut dire faut humilité arrête et que humiliation il disparaît. Faut humilité à li rete et que humiliation li même li disparaît. L'autre point qui nous parle, humilité égal être conscient de ses faiblesses. Donc maintenant humilité li égal être conscient de ses faiblesses. Donc moun ki en blanc n'est-ce pas li conscient des faiblesses li. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous venons ça dans 2 Corinthiens 12 verset 10. Li bon pour nous garder texte ça, c'est un texte côté l'Éternel t'a parlé avec apôtre Paul. Apôtre Paul, n'est-ce pas, te gon échade avec Dion maladie. Il m'a dit bon Dieu pour le guérir. Bon Dieu pas guérir, il dit grâce m'a suffit pour vous. C'est là apôtre Paul bra dit, c'est pourquoi je me plais. C'est peut-être ça me prend plaisir dans faiblesse moi yo, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que l'Éternel dit comme ça. Ma grâce, il dit ouais, il m'a dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi.
Il m'a dit, ma grâce te suffit. Il dit, Seigneur a dit, ma grâce moi suffit pour vous. Car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Puissance moi accomplie dans faiblesse. Je me glorifierai. Donc, bien, plus volontiers de mes faiblesses. Je me glorifierai. Donc, ma glorifier dans faiblesse moi. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Peut-être ça. Je prends plaisir dans la faiblesse moi. Dans l'outrage, dans la calamité, dans la persécution, dans la détresse, pour Christ. Pour qui ça? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'homme faible, c'est laisser ça, l'homme fort. On dit, humilité égale être conscient de ses faiblesses. Moune qui aime là, Moïse, n'est-ce pas? Son homme qui aime. Gédéon tout, aime. Il montre qu'il aime. Être conscient de ses faiblesses. Humilité égale être conscient de ses faiblesses. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Maintenant, l'être que qu'on est faible, et c'est l'être fort. Maintenant, l'être qu'on est fort ou faible, c'est ça qui fait dire, moun qui veut monter, m'a baissé. Donc, l'humilité, n'est-ce pas, c'est entretenir cette conscience. C'est entretenir cette conscience que sans Dieu, je ne suis rien. L'humilité, c'est ça, oui? C'est entretenir, ça veut dire, c'est qu'il y a conscience ça, que sans bon Dieu, m'a rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans mon Dieu, je ne suis rien. Ça, c'est l'humilité. Mais si vous pensez que c'est quelque chose sans Dieu, ça, c'est l'orgueil. Si vous pensez, n'est-ce pas, vous êtes quelque chose sans Dieu, ça, c'est l'orgueil. Donc, l'humilité, n'est-ce pas, c'est entretien cette conscience que sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, que tu n'es rien, ça, c'est l'humilité. Je ne peux rien, je ne peux pas rien. Je ne vais nulle part, je ne vais pas grâce côté, sans Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça, c'est la science. Sagesse, c'est la science, c'est la connaissance. Pas appuyer sur connaissance ou pas appuyer sur ce qu'on est trop. Reconnais-le dans toutes tes voies. Proverbe 3, verset 5. Quelquefois, nous appuyer trop sur connaissance. Nous appuyer trop sur ça nous connaît. Nous avons connaissance. Voilà, mon qui a connaissance qu'on a. Il y a quelqu'un qui a plus connaissance que où? Qui pas travail. Oui, il y a qui connaît plus passe, qui fait plus études, qui étudie, qui fait plus université passe, qui pas travail. Ou travail parce que ou fait dire good. Ou pas respecter bon Dieu, ou pas bail bon Dieu valer encore. Ou na erreur, m'a dit ça bien-aimé. Ou na erreur, pas appuyer sous sagesse ou pas appuyer sous connaissance. Yes. Tu connaissance qu'on gagne devant mon Dieu, ça va rien. Parce que Dieu est omniscient. Il connaît tout, il sait tout. Reconnais-le dans toutes tes voies. Proverbe 3, verset 5. Donc, humilité égale être conscient de ses faiblesses. L'autre point encore, nous voulons dire, humilité égale ne pas se comparer aux autres. Béni soit l'Éternel. Humilité, n'est-ce pas, l'égal, pas comparer avec l'autre monde. Quelquefois, en pile fois, nous cherchons à comparer avec le monde, n'est-ce pas, ça met nous dans problème, hein. Ça fait nous humilier tête non, baisser tête non, nous humilier tête non. Nous comparer avec X, Y, nous contrôler un tel, garder côté tel, garder côté mien, de faire même classe ensemble avec lui. C'était qu'on discipline, garder côté, nous comparer avec l'autre monde. Ça a son problème. Humilité, ne pas se comparer aux autres. Pas comparer avec l'autre monde. Si vous avez fait une comparaison, comparer avec mon ou qui pibat que vous. Parce que quelquefois, l'homme cherche à comparer avec mon qui pibat que vous. Ça capable faut vinn orgueux, ça capable faut pas ka vivre. Mais l'on compare avec monde qui bibate ou, ou regarde ou manger 3 fois par jour. Il y a des monde qui pas même jeune une fois par jour pour le manger. Ah, compare à monde qui piba pour ka ba bon Dieu gloire. Quelquefois, sous pas compare avec monde qui biwa ou orgueux ou pas ba bon Dieu gloire. Compare avec monde qui biba, monde qui pas ka manger un pain dans matin. Ou même ou jeune manger 3 fois par jour ou gain 3 repas matin, midi, soir. Ne pas se comparer aux autres. Humilité égale, ne pas se comparer aux autres. Que chacun examine son œuvre. C'est pour chaque monde examiner œuvre. Alors, il trouvera en lui, seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier. Galates 6, verset 4. Il dit, c'est pour chaque monde qui a examiné œuvre, la jeune, dans lui, seul, et non dans l'autre. Sujet pour le glorifier. Sujet pour le glorifier. Pour le glorifier tête lui. Oui! Joune jodi a, an gade. Gen de moun ki pa ka manje pain. Ou même, ou gen possibilité pou jwenn repas 3 fois par jour. Pa compare avec moun ki possède pile richesse la. Pile kòb ko pa possède ya, ki possède millions ko pa possède ya.
pour ça fort papa bon Dieu gloire, pour ça fort pas content, pour ça fort pas satisfait. Gardez plutôt moun qui nan, moun qui nan misère, gardez moun ça plutôt, et puis ça fort pas bon Dieu gloire. Donc dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Dans vos rapports mutuels, rapport une avec l'autre, revêtez, c'est pour nous couvrir nous avec humilité d'après 1 Pierre 5 verset 5. Revêtez-vous, habillez-nous avec humilité. Donc ce n'est pas de l'orgueil qui d'être fier de soi. Donc c'est pas orgueil, n'est-ce pas, le fait qu'on fier de où, de ses progrès dans le Seigneur. C'est pas orgueil, le fait qu'on fier de où ou fier des progrès dans le Seigneur. C'est pas orgueil. Donc il est bon de faire régulièrement, n'est-ce pas, un bilan pour voir, n'est-ce pas, notre évolution. Mais nous n'avons pas à nous comparer aux autres. Gardez tel, gardez côté tel lié, gardez côté mieux. Nous n'avons pas à nous comparer aux autres, à chercher à tirer gloire les uns des autres. Non. 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 Parce que nous avons regardé ça dans Jean 5, verset 44. Peut-être nous avons dit ça, on pense que c'est affaire. Pas m'a dit. On nous regarde Jean 5, verset 44. Et bon, pour regarder verset ça, Jean 5, verset 44. Nous lisons ça. Il dit que, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Attendez, qui ça le dit? Il dit, comment nous sommes capables de faire quoi? Nous même capables de tirer gloire yon envers l'autre, yon l'autre. Et qui ne cherchez point, qui ne cherchez, n'est-ce pas, la gloire qui vient de Dieu seul. C'est ça pour nous chercher. C'est la gloire qui vient de Dieu seul que nous devons chercher. Pas tirer notre gloire les uns des autres. Chercher seulement la gloire de Dieu. Oui. Humilité, n'est-ce pas, ne pas se comparer aux autres. Un, être conscient de ses faiblesses. Deux, l'humilité, ne pas se comparer aux autres. Trois, l'humilité, n'est-ce pas, se soumettre les uns aux autres. L'humilité, c'est que ça, yon soumettre envers l'autre. Donc, on texte dans Éphésiens 5, verset 21. Il dit bon pour nous regarder le texte, Éphésiens 5, verset 21. Éphésiens 5, verset 21. Éphésiens 5, verset 21, non, lit comme ça. Il dit dans verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est pour nous, yon soumettre. Aïe, yon l'autre. C'est pour yon soumettre avec l'autre. Dans la crainte de Christ. Donc, humilité, n'est-ce pas, c'est soumettre les uns aux autres. Nous dit, qu'est-ce qui signifie se soumettre les uns aux autres? Ça veut dire? Ça signifie se soumettre les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a des dons différents, n'est-ce pas? Chaque monde a des dons qui sont différents. Lorsque quelqu'un exerce son don, il est plus capable que moi. Attendez bien? Lorsque quelqu'un exerce son don, il est plus capable que moi, même si je suis pasteur, dans l'exercice de ce don spécifique. Je me soumets donc à lui, à son conseil, à ses directives dans ce domaine. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est soumettre les uns aux autres. Chacun a des dons différents. Chaque monde a un don qui est différent. Lorsque quelqu'un exerce son don, l'homme a exercé don qu'il gagne, il est plus capable que moi-même. Même si c'est pasteur, dans l'exercice don spécifique ça, eh bien, moi soumettre moi à lui, à conseil lui, à directrice, à directive lui dans domaine ça. Parce que ça, c'est don pâle. De même, lorsque c'est moi qui exerce mon don, ça veut dire que c'est moi-même qui exerce don pâle maintenant. C'est l'autre qui se soumet à moi, reconnaissant à son tour ma capacité à mieux faire que lui. Trop de gens pensent tout savoir sur tout et ont du mal à reconnaître que d'autres savent mieux qu'eux. En pile moun pense que yo konn tout bagay. En pile moun pense que yo konn tout bagay. Yo konnen tout bagay. En pile moun pense yo konnen tout bagay sous tout bagay. Et yo gen du mal pour reconnaître que l'autre yo konnen mieux que yo. C'est ça. Selon les domaines, au sein des serviteurs de Dieu, beaucoup de troubles sont causés à cause de cela. En pile troubles à cause de cela. Donc, il y a trop d'hommes à tout faire et à tout contrôler. On est alors
pas soumis les uns aux autres. Nous ne sommes pas soumis avec l'autre. On est toujours soumis à la même personne. C'est ça, se soumettre les uns aux autres. Humilité égale savoir écouter les conseils. L'or humble, ou son monde, n'est-ce pas, qui compte écouter conseil l'autre monde. Parce que des fois, on conseille au monde, n'est-ce pas, ça veut dire. On conseille au monde, maintenant, ça veut dire, puis le bagaille. Mais il y a des fois, certaines fois, le fait qu'on n'a pas l'argent, hein, parole ou n'est-ce pas, pas aucune valeur. Ou parler, pas de monde qui écoute. Et pourtant, conseil qu'on a là, c'est un bon conseil. Il pas prendre parce qu'on n'a pas dans position pour monde suivre. Donc, humilité, n'est-ce pas, c'est savoir écouter les conseils. Donc, la sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Béni soit l'Éternel. Proverbe 11, verset 14. Les bons pour nous garder le texte, Proverbe 11, verset 14. Proverbe 11, verset 14. Les bons pour nous garder le texte, Proverbe 11, verset 14. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 14. Nous lisons ça. Il dit que, dans Proverbe 11, verset 14, il dit, quand la prudence fait défaut, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, le peuple a lui tombé. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Quelquefois, on doit ou besoin écouter conseil. Parce que humilité, c'est savoir écouter les conseils. La sagesse est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11, verset 14. Proverbe 12, verset 15. En ont gardé Proverbe 12. Proverbe 12, verset 15. Il dit, la foi de l'insensé est droite à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils est sage. Il dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux. Mais celui qui écoute les conseils, moun kap koute conseil, ils sont moun ki sage. Sou pa vle koute conseil, ou pas un moun ki sage. Et sou pas sage, ou pas humble, parce que humilité, n'est-ce pas, égal savoir écouter les conseils. Moun ki koute conseil, sont moun ki sage. L'orgueil consiste à essayer de se suffire à soi-même. L'orgueil là qui ça l'a fait? L'a essayé, n'est-ce pas, suffit à tête li, ou capable faire tout bagaille pour corps, m'pas besoin moun, m'pas besoin personne. C'est ça l'orgueil. Donc l'humilité qui en est l'opposé nous amène à réaliser. L'humilité qui s'est opposée au orgueil là, limite pour nous réaliser que nous avons besoin des autres. L'humilité, n'est-ce pas? Les fait qu'on est que nous besoin l'autre. Que nous avons besoin de leur conseil, nous besoin conseil l'autre. Nous avons besoin nous avons besoin n'est-ce pas de leur expérience, nos expériences. Que nous avons n'est-ce pas besoin de leur don, nos besoin don yo. Ça c'est l'humilité qui fait ça. L'humilité, n'est-ce pas, qui s'est opposée au orgueil. Limite pour nous réaliser que nous besoin l'autre. Nous besoin conseil l'autre, nous besoin expérience l'autre, nous besoin don l'autre. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'on va accepter n'importe quoi, évidemment. Nous sommes appelés à choisir nous-mêmes. Qui écouter? Qui apprécier? Alors, qui écouter? Qui apprécier? Reconnaître comme canal d'édification. Humilité égale accepter la correction. Il y a des gens qui aiment, sont des gens qui acceptent la correction. Ils ne pas accepter la correction, sont des gens qui pas aiment. Mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel. Proverbe 3, verset 11. Donc, Dieu nous corrige régulièrement comme un père, comme un papa corrige petit lit. Acceptez cette correction. Une bonne fessée demande de l'humilité. Hébreux 12, verset 7. Humilité égale chercher la gloire de Jésus et non la sienne. Humilité égale chercher la gloire de Jésus, ce n'est pas gloire pour chercher. Ça, c'est l'humilité. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Dans Jean 7, verset 18. Donc, si Dieu veut rétribuer, récompenser, rémunérer, ok? Si Dieu rétribue le humble avec, entre autres, la gloire comme nous l'avons vu, c'est justement parce que le humble n'est pas motivé par la recherche de sa propre gloire. Moun ki humble, il n'est pas motivé pour la chercher propre gloire pâle. Pas voler une part de la gloire de Dieu, il pas voler gloire de Dieu. Nous sommes appelés à rechercher à ce que Christ soit glorifié dans nos actes. Nous cherchons, n'est-ce pas,
n'a cherché nous appelé pour nous chercher à ce que pour Christ glorifier dans acte non yo dans ça n'a fait yo dans action non yo dans parole non yo n'a dit chaque jour plusieurs questions à se poser en pile question mon a posé tête yo Christ est-il glorifié dans ce que j'ai fait est-ce que Christ joue une gloire dans ça m'a fait Christ est-il glorifié dans ce projet est-ce que projet ça m'a fait est-ce que Christ glorifié la donne Christ est-il glorifié dans cette attitude est-ce que attitude ça que m'y est c'est Christ glorifié en donne avec qui dois-je glorifier Christ avec qui est-ce de glorifier Christ comment Christ peut-il être glorifié dans ma vie comment Christ a fait une gloire dans ma vie même si c'est au dépens de ma propre gloire nous sommes appelés à rechercher les intérêts de Jésus nous toutes net nous pas appelés pour chercher propre intérêt pas non nous appelés pour rechercher les intérêts de Jésus cela au détriment éventuellement de nos propres intérêts détruire propre intérêt non pour intérêt de Jésus c'est la meilleure façon pour que Christ prenne en main notre propre intérêt donc laissez Dieu vous élever quittez bon Dieu élevez vous n'essayez pas de vous élever vous-même pas essayer de lever tête ou parce que Proverbe 27 verset 2 il dit que notre te loue et non ta bouche. Waouh. Li bon pou nou ta garder texte ça Proverbe 27 verset 2. On nous garder texte ensemble Proverbe 27 verset 2. Li dit dans verset 2. Li dit depuis dans verset 1, il dit ne te vante pas du lendemain. Alléluia. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut infanter. Nous pas connait ça un jour capable porter. Que notre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Il dit que notre loup, ça veut dire l'autre mon a pleuré ou a beau gloire. Et non bouchou. Un étranger et non tes lèvres. Ça veut dire que guide moun kap bay tête gloire avec bouchou. Pas quitter c'est l'autre mon kap pleuré ou kap beau gloire. Alors excusez-moi. Vrai contexte ça, c'est pas quitter l'autre moun plutôt. Quitter c'est l'autre moun plutôt kap fait loin pour. C'est ça veut dire. Mais c'est pas au même qu'a fait l'onge avec bouchou. Excusez-moi. Quitter c'est l'autre monde qu'a fait l'onge pour mais c'est pas au même pour faire avec bouchou. Yon étranger mais c'est pas l'œuvre. C'est ça où texte a dit. C'est pas au même. Yes. Laissez Dieu vous élever. N'essayez pas de vous élever vous-même, pas essayer de lever tête tout. Que notre te loue et notre ta bouche. On l'autre monde a pleuré ou a beaugrand mais c'est pas au même. Proverbe 27. Verset 2. Donc, humilité égale simplicité des enfants. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, d'après Matthieu 18, verset 4. N'importe monde qui rendra humble, tant que tout ça, c'est lui-même qui rentre dans le royaume. Ouais, humilité égale simplicité des enfants. Nous sommes appelés à avoir de la maturité, n'est-ce pas? Et il y a des attitudes de l'enfant qu'il nous faut rejeter, n'est-ce pas? Mais nous sommes appelés à avoir de l'enfant. Nous sommes appelés à avoir de l'enfant les qualités suivantes qui dénotent un cœur humble. L'innocence, le pardon facile, ne pas trop, n'est-ce pas, se prendre au sérieux, la confiance de notre Père céleste. L'humilité permet de recevoir les directives de Dieu. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, verset 9. Il dit, car l'humilité, n'est-ce pas, donne accès auprès de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. D'après 1 Pierre 5, verset 5, il dit, bon Dieu, résistez à moun ki gen orgueil, moun ki vle monter tête sur bon Dieu, résiste avec eux. Il fait grâce avec moun ki humble. Parce que moun ki humble, il dit, tout moun ki vle baisser la plevel. Et tout le monde qui levait la baisselle. Donc, l'orgueil est donc un obstacle spirituel pour entendre Dieu nous parler et nous diriger. L'orgueil, nous disons, c'est un obstacle spirituel. N'est-ce pas? Ils sont obstacles spirituels pour tendre bon Dieu qui parle avec nous. Et pour bon Dieu diriger nous. Ou pas vrai? Ça qui passe? Satan veut monter ton nez. Puis où passe bon Dieu? Bon Dieu pipi en bas. Donc, des côtés, cela nous rend Dieu. Ça rend nous Dieu pour nous tendre. Ça rend nous dû pour nous tendre le Seigneur. Dénote, s'il nous arrive de l'entendre, l'orgueil nous pousse à la désobéissance. Orgueil, poussez-nous à la désobéissance. L'orgueil,
c'est avoir ses propres plans à présenter à Dieu pour le servir. L'orgueil, c'est avoir ses propres plans à présenter à Dieu pour le servir. Donc, l'humilité nous dit, l'humilité, c'est demander à Dieu quels sont ses plans pour nous, quels sont ses plans à lui et être prêt à y obéir. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est demander, bon Dieu, n'est-ce pas, qui plan pour moi, Seigneur? Je suis prêt pour m'obéir avec plan. Selon l'une ou l'autre motivation de notre cœur, le Seigneur nous laissera soit nous égarer, soit nous montrera le chemin, ses plans. Un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu peut faire long feu s'il se laisse prendre un piège, s'il se laisse prendre au piège de l'orgueil. Quelques questions, mes motivations sont-elles louables? Vais-je faire selon mes plans ou selon les plans de Dieu? Suis-je prêt à être dans l'ombre? Par humilité ou pour servir, quoi que cela m'écoute. Est-ce que je veux être humble ou avoir l'air humble? Est-ce que je veux humble ou je veux apparence qui m'aime? Est-ce que je suis prêt à passer, n'est-ce pas, pour un orgueilleux à cause de ma vraie humilité à obéir? Dieu ne nous appelle pas à être des serviteurs de Dieu. Ils passent rapidement, se font remarquer lors de leur passage, mais disparaissent vite. Il en est de même de certains chanteurs. Ils font le tube de l'été, puis on n'entend plus parler. Nous sommes appelés à durer dans le ministère. Pour cela, il faut marcher auprès de Dieu avec humilité. Il faut marcher auprès de Dieu avec humilité. La vraie, pas celle qui est basée sur des apparences religieuses. Ce n'est pas humilité qui est basée sur apparences religieuses, mais celle du cœur. Humilité, n'est-ce pas? Du cœur qui motive notre comportement. Béni soit l'Éternel. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. C'est serviteur, Jean-Frisnel Pétion, qui t'a partagé parole, Seigneur, avec vous. Pas négliger, partager étudier avec l'autre monde. Nous t'avons étudié ensemble avec vous aujourd'hui. Un cœur humble. Nous avons pile bagaille sur l'humilité et l'orgueil. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache, que bon Dieu dépose grâce sous. C'est serviteur, Jean-Frisnel Pétion. Et canal, on parle du ventre et d'espoir. Allez sur YouTube, sur Facebook. Partagez étudier pour plus de monde capable d'entendre l'évangile. Pour plus de monde capable connaître Seigneur. Pour plus de monde capable de sauver. Retenez dans mes seigneurs pour faire autre avec vous, pour faire chemin avec vous, parce que notez ouais avec vous aujourd'hui. Humilité différente de humiliation. Notez ouais avec vous, humilité c'est être conscient de ses faiblesses. L'humilité ne pas c'est non dit c'est pas comparer avec l'autre monde. On compare avec l'autre monde, on regarde ça l'autre monde gagne ou pas gagne. Ça capable faire orgueil. Humilité non dit c'est se soumettre les uns aux autres. Humilité n'est-ce pas c'est savoir écouter les conseils. C'est écouter conseil l'autre monde, pas dire me connaît toute bagaille. Non, c'est pour coûter conseil à l'autre monde. L'humilité, nous, ouais, c'est accepter la correction. Il faut accepter la correction. Si vous acceptez correction ou pas humble. Humilité, n'est-ce pas, c'est chercher la gloire de Jésus. Et non la sienne. C'est chercher la gloire de Jésus, la gloire pour chercher. Nous te voyons avec vous. Humilité, n'est-ce pas, c'est la simplicité des enfants. Parce que Jésus-Christ dit n'importe qui qui parle de humble, dans le petit monde, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume ciel là. Ou besoin d'un petit monde, rends-nous humble d'un petit monde. L'humilité, n'est-ce pas, permet de recevoir les directives de Dieu. Béni soit l'Éternel. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu couvre. C'est cette vidéo. Je vous invite à que tu as partagé par le Seigneur ensemble avec vous. Retenez mes Seigneurs pour faire ensemble avec vous, pour rester avec vous, pour continuer vers Dieu. Sois humble, ne sois pas orgueilleux. Ou pas doué, ouais, ou pas de orgueilleux, mais c'est pour humble. Côté actuellement là, côté bon Dieu metto là, bon Dieu metto là. C'est pour moyen pour humilier l'autre monde. Qui des monde n'est-ce pas qui pas qui t'a dormi bokay monde. Kounya bon Dieu vinn ba yo kay. Yo vinn bon Dieu vinn ba yo machine. Kounya c'est humilier plutôt y a humilier l'autre monde. Pas fait ça. Pas fait ça parce que ni humble là,
ni humilité ni orgueil là yo tout gien conséquences yo que bon Dieu bénir ou que bon Dieu cache ou que bon Dieu couvre ou al partager étudio un cœur un blanc c'était sujet ça t'a étudié ensemble avec vous maintenant mes seigneurs encore une fois de plus pour faire avec vous faire chemin avec vous amen.
Nous saluons nos Seigneur qui a tout pouvoir, qui a toute puissance, qui a toute autorité. Nous bénissons, nous glorifions, nous magnifions pour amour, pour compassion, miséricorde. Il t'exerce envers nous. Jusqu'à présent, nous vivons encore. Nous sommes venus à respirer. C'est à mériter gloire, à mériter l'orange, à mériter honneur, à mériter adoration. En nous prier Seigneur avant de commencer l'étude. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Omega, le commencement et la fin. Nous bénissons Seigneur, nous magnifions, nous exaltons Seigneur pour amour, pour grâce, pour compassion, pour miséricorde. Nous te manifestons envers nous jusqu'à présent, nous vivons encore. Vous méritez l'orange, vous méritez honneur, vous méritez adoration. Si nous-mêmes, nous avons encore vivre jusqu'à présent, vous méritez gloire, vous méritez honneur, vous méritez l'orange. Je dis à papa, dis à mon Dieu miséricorde. Ou déjà pour utiliser nous pour nous partager parole au Seigneur. Nous demandons au Père Saint, ou va éliminer l'esprit, non? Ou va ouvrir l'intelligence au Seigneur côté que nous pourrons partager parole. Nous demandons au Père Saint, ou va continuer à servir avec nous, continuer à éliminer l'esprit, non? Pour nous donner possibilité pour nous continuer à partager parole. Côté que chacun de nous qui a une chance pour tenter d'étudier ça, pour étudier ça, ou faire effet dans la vie au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce que nous dit dans la parole là. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus nous dit ça, propre bouche de l'autre après-là. Nous dit, wop avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne pour nos peurs, nous ne pour nos craintes et nous connaissons avec nous. Seigneur, t'en prie, utilisez-moi pendant que partager la parole là. Après l'année fin partager parole ou que nous pas gagne possibilité pour nous publier parole pour nous partager perdre parole ou fait effet dans la vie chacun de monde qui va gagne chance pour écouter étudier ça tant prie Seigneur utilisez-moi Seigneur parler servis-toi à côté nous pas pour parce que non bon nous prions dans le nom de Jésus ton fils qui vit au siècle des siècles amen ou même qu'à côté dans différents côtés dans monde là soit qu'à côté dans Haïti soit qu'à côté non aux États-Unis ou bien au Canada ou même qu'à côté non soit en France ou bien ou même qu'à côté non au Chili ou même qu'à côté non en Argentine ou même qu'à côté non au Mexique qu'à côté non différents côtés dans monde là non salut non Seigneur qui a tout pouvoir qui a toute puissance qui a toute autorité nous va partager parole bon Dieu ensemble. M'a invité au pour lire avec moi texte ça qui trouvé dans Luc 4 verset 35 jusqu'au verset 41. Nous va faire lecture ça pour vous dans Luc 4 verset 35 jusqu'au verset 41. Nous commençons comme ça. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur.
et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci? À qui obéissent même le vent et la tempête? Béni soit l'Éternel, mon rocher. Ou même qui a une possibilité de écouter ces études, soit à travers YouTube ou bien à travers Facebook. Ou une possibilité pour partager la parole de bon Dieu. Parce que l'on partage la parole de bon Dieu, il y a une possibilité avec plus de monde. Monde soit dans mieux. Monde, on est capable de dire monde qui peut faire la paix avec Christ, qui besoin d'entendre des paroles là. Soit monde qui n'a problème ou bien qui n'a difficulté, qui besoin d'entendre des paroles qui pourrait conforter eux. Ou une possibilité pour aller sur Facebook, sur le canal là qui c'est Parole Vivante et d'Espoir, pour aider à partager paroles là pour plus de monde. Capable d'entendre l'évangile pour plus de monde capable de sauver. Parce que mission, c'est pour nous partager la parole de Dieu jusqu'à ce que nous pas existé sur la terre. Donc, je dis, via tout ça, nous, et tout ça, nous entendons qu'à passer à travers le monde. Et nous avons des études qui nous ont fait déjà, en pile études qui nous ont fait surtout sur les événements de la fin des temps. En pile étude, mais vie avec tout ça, nous avons passé à travers le monde. Donc, l'Esprit de Dieu te mette sous que nous pour nous partager une série d'études, tout un bloc, tout un ensemble d'études sur la peur. Donc, nous avons en pile étude, nous avons une possibilité pour nous faire sous la peur. Et c'est ça, nous allons aborder avec ou là, je dis à qui c'est, la peur. Donc, avant toute bagaille, avant d'aller même plus loin, nous t'avons avant d'aller plus loin, pour nous définir la peur. Parce qu'il y a une vérifie à travers le monde. Ni monde qui connaît Christ, ni monde qui pas connaît Christ, tout le monde peur. C'est normal. Parce que les naturels. C'est normal pour tout le monde peur parce que via ça qui passe à travers le monde, en pile monde peut-être pas fin trop connaître ça la Bible dit, donc c'est normal pour nous peur. Mais la Bible dit ça aussi des signes de la fin des temps. Et m'a dit ça pour me faire cœur sauter. Mais m'a dit ça sous étudier la Bible, soit étudier ça l'eschatologie. Si vous étudiez les livres de l'Apocalypse, vous pouvez voir tout ça. La Bible dit que c'est le commencement. Parce que ça qui va pour passer dans le monde là, la Bible dit après l'Église, fait ça le fin enlevé. Bagay qui va passer dans le monde là, c'est bagay. J'ai beaucoup de gens, bagay, moun beaucoup de gens m'entendent. Si depuis qu'on y a commencé à sauter, eh bien, arrangez cause vous. Avec Christ, pour ne pas arrêter sur la terre, l'Église a fini de faire ça l'aller. Et c'est présence l'Église là qui fait ennemi pour qu'on capable établir le règne de l'Antichrist. Là. Mais depuis l'Église a fait ça l'aller, la terre elle connaît des grands problèmes. Ok, donc, ce n'est pas la noyer, mais on a parlé aujourd'hui sur la peur. Avant toute bagaille, nous voulons définir. La peur, d'après Larousse. Larousse dit la peur. Larousse définit la peur comme un sentiment de forte inquiétude en présence d'un danger ou à la pensée d'un danger ou en présence d'une menace. Après dit, non comment Larousse définit la peur. Il dit la peur, c'est un sentiment qui vient avec une forte inquiétude en présence de un danger ou bien à la pensée des dangers. En présence d'une menace. Et l'homme
qui a peur se trouve dans une situation inconfortable hein, du fait qu'il est mentalement et physiquement déstabilisé. OK? On dit ça c'est d'après Laus. Il dit son sentiment de forte inquiétude. Maintenant soit vérifier là à travers le monde, ni monde qui connaît Christ, ni monde qui pas connaît Christ, tout monde inquiété. Tout monde peur. Qui ça au peur? Yo peur pour yo pas mourir. Pas maladie ça qui fait rage dans le monde qui c'est coronavirus. Et avant d'aller plus loin, disons, premier bagage que je voulais voir avec vous, avant d'aller plus loin, nous t'a dit en un mot, la peur, c'est une émotion normale. Oui. C'est une émotion normale qui sert d'avertisseur à l'organisme pour lui signaler un danger potentiel. La peur, nous dit, elle est nécessaire pour maintenir en alerte et inciter à la prudence. Nous voyons qui ça dit? Elle est nécessaire pour maintenir en alerte et inciter à la prudence. Nous dit, c'est un sentiment humain au même titre que la joie, la tristesse ou bien la colère. Parce que un exemple, qu'est-ce que fait un monde, une machine a passé que fait un monde pas le fou tête dans la machine là? C'est parce que il y a un sentiment ça dans lui-même là qui relève la peur. Si il y a pas de sentiment ça dans lui, et ça que fait nous dit son émotion normale qui servit d'avertisseur à l'organisme. Il servit comme ouais, il là pour avertir organisme là pour signaler pour signaler et m'ta dit organisme là yon danger. Donc il est nécessaire pour maintenir en alerte. Nous dit son sentiment humain au même titre que la joie, que la tristesse ou bien la colère. Donc, il est donc tout à fait normal d'avoir peur. Donc, une peur qui se manifeste différemment selon la personne et selon son environnement. Nous dit, il est capable de prendre plusieurs formes. OK? La peur, il est capable de prendre plusieurs formes. Nous dit, donc, malheureusement, comme tout sentiment, la peur peut prendre des proportions inquiétantes et démesurées dans la vie d'une personne et se transformer en une émotion paralysante, comme la frayeur. OK? Donc, c'est ainsi que la peur, dans ces moments-là, est injustifiée puisqu'elle est systématique face à un élément reconnu comme non danger. Donc, premier bagage qui nous prend loi avec vous rapidement, nous prend chercher avec vous à travers la Bible, grand pile verset dans la Bible qui parlait de la peur. Mais premier bagage qui nous prend loi ensemble avec vous aujourd'hui, l'origine de la peur. Qui côté la peur li sorti? Nous prend regarder le texte avec moi dans Genèse 3. OK, vous capable ouvrir Bible avec moi dans Genèse 3. Nous voyons avec vous l'origine de la peur. Qui côté la peur? La peur, ça n'a pas là. Qui côté le sorti? Qui origine? Nous voyons aller chez origine. Nous voyons lire un texte avec moi, c'est dans Genèse 3. Donc, nous avons pris le début de verset 10, mais nous avons gardé rapidement depuis le verset 1 pour le verset 10. Nous dit, et nous pas de temps pour nous lire, ok? Mais nous avons lu le verset. Il dit, il répondit, verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Nous songe dans Genèse 2 verset 17. L'Éternel te baille Adam yon l'ordre.
il dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. D'après Genèse 2, verset 17. Il dit, ou capable de manger tout pied dans le jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel bat Adam, l'autre arbre. Mais nous connaissons, après l'Éternel te fait larguer Satan en bas. Parce que Satan te voulait monter ton nez pire au passé, bon Dieu. Bon Dieu, la gueule là-bas. Satan, c'est ton ange de lumière qui te relé Lucifer. Et c'est après, nous allons le changer en Satan, diable, il va être différent. Non? Eh bien, l'aller, bon côté Ève, il dit le serpent était le plus riche de tous les animaux des champs. Donc, il est entré dans le serpent. Il dit femme comme ça, Dieu a-t-il réellement dit? Depuis là, elle a commencé à s'y mettre doute. On a pensé Ève. Il dit, est-ce que bon Dieu t'a dit réellement? Est-ce que bon Dieu t'a dit réellement? Depuis là, elle a commencé à s'y mettre doute là. Il dit, est-ce que bon Dieu t'a dit réellement? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ce n'est pas ça bon Dieu t'a dit. Mais il contredit ça bon Dieu dit. Bon Dieu pas dit à Adam pour ne pas manger tout le jardin. Il dit, nous allons manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'âme de la condition du bien et du mal, le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Mais lui-même lui dit, Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une question qui a la forme négative. Donc, tu as dit, c'est interrogatif. Il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ça c'est Ève qui répond. Ève dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y touchez point, de peur que vous mouriez. Ève, depuis là, dans verset 3, Ève ajoute yon bagay que bon Dieu pas dit. Bon Dieu pas dit pas toucher. Bon Dieu te dit pas manger. Elle dit, bon Dieu te dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Il dit deux bagailles là. Elle dit, bon Dieu dit, pas manger et pas toucher. Bon Dieu pas dit pas toucher. Soit regardez dans Genèse 2, verset 17, ou après, bon Dieu pas dit pas toucher. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est pas dit femme non pas mourir ou pas mourir. Maintenant bon Dieu dit dans Genèse 2 verset 17, tu pourras avec Adam tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Bon Dieu dit il a mouri Satan entre dans serpent. Dans Genèse 3 verset 4, il dit femme non ou pas mourir, il contredit ça bon Dieu dit. Et ça fait, ou quand quelqu'un qui a passé dans la pensée, la Bible a fait quelqu'un qui a passé dans la pensée, et puis Satan a si mis les vieux choses dans la pensée. Pour ne pas croire dans ça, bon Dieu dit. Mais, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, il commence à baler avantage. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Bon Dieu connaît jour nous manger, je n'abouvris. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Trois bagailles, l'idile. L'idile, bon Dieu connaît jour nous manger, je n'abouvris. N'a pas vu tant que bon Dieu, n'a pas vu qu'on est bien et mal. Qui ça fait bon Dieu te pipé là bas? Parce qu'il te voulait monter trop ni pire au passé, bon Dieu qui s'est orgueil. Même orgueil ça qui dans l'IA lui vient inculquer dans Ève. Il dit n'a vint bon Dieu connaît, c'est comme s'il t'a dit Ève, bon Dieu quelque bagaille, bon Dieu a caché yo. Il dit bon Dieu connaît jour nous manger, j'ai n'a vinn ouvrir. N'a vinn connaît bien mal et n'a vinn connaît bien mal et n'a vinn tant coup Dieu. Après fin manger, il voyait ça qui passait. J'ai ouvri, yo vinn connaît bien mal, mais est-ce qu'il vinn tant coup Dieu? Non. Ça, c'est un
demi-vérité. Toute demi-vérité, c'est mensonge. La Bible est le mensonge. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Même moment, Satan finit dit, c'est pas un. Fin dit femme là, bon Dieu qu'on est sur nos manger. Je n'ai pas vu ouvrir, n'a vu tant que Dieu n'a vu qu'on est bien mal. Même moment, la Bible femme là qui est en ouais, la Bible est en pied bois, est en bon pour le manger. Agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, il prend le manger pour te battre Adam manger. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux vus ouverts. C'est vrai parce que Satan te dit yo, si vous mangez, j'ai vu ouvrir, il y a vu qu'on est bien mal, il y a vu un temps coup Dieu. Oui, verset 7 a dit, j'ai vu ouvert. Il connut qu'il était nu, il a vu qu'on est tout nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, et il s'en fit des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu. Jéhovah Elohim, ils entendaient la voix de Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Ni Adam, ni Ève, les autant de voix, bon Dieu. Ils cachaient pour bon Dieu. Ou pas qu'à cacher pour bon Dieu. Parce qu'il est omniprésent. Fait noir, c'est fait clair pour lui. Personne, pas de monde qui a caché pour bon Dieu. Même si tu as dit que c'est caché pour nous, parce que c'est lui omniprésent. Pas de fait noir pour lui. Tout côté est bon Dieu. Ouais. Au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'Éternel dit Adam, côté où? Dieu est omniscient. Il n'est pas seulement omniprésent, il est omniscient. Qui ça me veut qu'on est? Puisque bon Dieu omniscient, pas grand hier pour le fait bon Dieu pas qu'on est. Nous-mêmes étant que l'homme n'a pas qu'on est, parce que c'est homme noyé. Mais bon Dieu en tant que Dieu n'a attribué l'omniscient. Puisque l'omniscient a toute connaissance. C'est ça qui fait le passé et le futur n'ont pas existé pour bon Dieu. Pour qui ça? Parce que sans t'as qu'à considérer qui passe et qui futur a, lit devant mon Dieu tant qu'il y a un éternel présent. Pas que fit-tu pour mon Dieu. Li fit-tu pour nous. Pour mon Dieu. Li présent. Parce que qui aime nos paroles? Ça qui passe dans le monde là, dans le mois janvier. Et depuis dans le mois décembre. Li commence à passer la Chine. Pour bon Dieu pas te connaître, ça t'a pas arrivé des années. Nous avons sur lui, nous étonné. Parce qu'il est futur pour nous, il est nouveau pour nous. Pour bon Dieu, il n'est pas nouveau. Waouh, il est omniscient. Il est omniscient. Mais le bon Dieu, nous croyons. Il y a un bon Dieu qui est omniscient, qui a toute connaissance. Pas de rien qui peut le passer, bon Dieu, pas qu'on est. Et s'il quitte le passé, c'est lui qui veut quitter le passé. Il connaît pour qui ça? Parce que pas grand rien absolument rien qui a passé en dehors de la volonté de Dieu. Dieu est au contrôle. Il dit Adam, côté où? Où es-tu? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas contre côté Adam? Il est omniprésent, il est omniscient. Il répondit. Adam répond. J'ai entendu ta voix dans le jardin. M'entendez voix dans le jardin. J'ai eu peur. Moi peur parce que me toutouné. Je me suis caché. Moi peur parce que me toutouné. Et me caché. C'est là la peur, l'origine de la peur. La peur, c'est péché qui vient avec la peur. Sentiment de peur, on dit c'est péché. Qui fait apparition, qui vient avec la peur.
C'est premier côté, nous dit la peur répétée dans la Bible. Donc la peur a pris naissance dans le cœur d'Adam et Ève. C'est dans le jardin d'Éden qu'elle est apparue pour la première fois. C'est dans le jardin d'Éden, la peur lui paraît pour la première fois, poussant nos premiers parents à se cacher. Nous dit c'est le résultat de leur désobéissance. La peur, nous dit, c'est résultat de désobéissance. Yo. Bon Dieu dit, yo, pas manger. Après, sans bien que mal là. Il obéit avec Satan, il mange. C'est là la peur prend naissance. Nous dit l'homme, t'as vivre en paix et en sécurité dans le jardin d'Éden. Jusqu'au jour où le péché a fait son apparition dans le monde. En s'éloignant de son créateur, par la désobéissance, l'homme a ressenti un sentiment nouveau et étrange qu'il a défini comme la peur. La peur fait apparition. C'est péché qui fait, qui vient avec la peur. Donc, nous avons donc reçu la peur en héritage. Ok? Nous recevons la peur en héritage d'Adam et Ève. Ok? Maintenant, on nous regarde. Le monde a peur. N'est-ce pas? Attentats, violence et crime chaque jour. Le monde nous dit qu'il y a un climat d'angoisse et de terreur. L'homme a peur de la mort. L'homme a peur de la maladie. L'homme a peur de la guerre. L'homme a peur des catastrophes naturelles, tremblements de terre, la famine. La peur de vieillir conduit certaines personnes à utiliser toutes sortes de produits dangereux pour leur santé. Par peur de manquer d'argent, les gens deviennent avares. Et la peur de la solitude pousse beaucoup de gens à s'entourer des personnes douteuses qui leur font du mal. La peur du chômage, des gens qui peuvent pour pas perdre du job dans un moment ça. Parce que nous dit pandémie ça, maladie pandémique ça, il vient avec chômage dans le monde. Grand pile moun ki tap travay, soit ki gen tan pedi job yo. Yo peur, n'est-ce pas? Yo peur pou yo pa lè ou fin pedi job yo pou yo pa ka jwenn travay pou yo fè. Y ap mande eske entreprise la, entreprise kote y ap travay la kenbe yo. La peur du chômage a rendu certaines personnes esclaves des exigences et des caprices de leur patron. Et des fois, moun n'ap travon kote. Li subi bagay pou l'tagetan kite travail la. Mais l'pa ka kite l parce que l'il konne si l'kite l'il pa prenon l'ot. Puisque gen problème chômage, gen problème emploi. Li peur pou pa vole ale. Gide moun ki tap travail, yo réduit salaire yo. Yo ba yo 50% nan salaire yo. Gen des moun ki tap travay ki touche kounya se 40% yo ba yo nan salè yo et sa pante a pa ka paye bil yo. Yo peur. N'est-ce pas? Wow. Nou di li normal. Pou peur, n'est-ce pas?
Mais de quoi avons-nous peur? Et nous autres enfants de Dieu, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, comment réagissons-nous face nous sommes capables de dire à toute mauvaise nouvelle que nous attendons partout dans le monde? Comment nous réagissons? Sommes-nous effrayés lorsque la situation échappe à notre contrôle? Est-ce que nous effrayons? Est-ce que nous peur? Les situations, elles dépassent, non? Elles sont pour nous. Wow! La réponse de Dieu à la peur, qui c'est le deuxième point, non? Qui ça? On regarde qui ça la Bible dit. La réponse de Dieu à ce problème de la peur, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu en action. Il est le maître des circonstances. Dieu est le maître des circonstances. Il se tient à nos côtés. Bon Dieu avec nous. Parce que qui ça? En nous garder. Ça qui est intéressant. Il dit dans Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, il n'a pas dit bien non, il dit toute chose, bien ou mal, yo travaille ensemble pour bien moun qui aime mon Dieu. Toute chose travaille ensemble. Toute chose concourt, toute bagaille travaille ensemble pour bien moun qui aime bon Dieu. Toute chose. S'arrive là actuellement. Il était dans le plan de Dieu. Parce que qui ça me veut connait? Satan. La Bible dit Satan c'est prince monde là. Il est le prince du monde, il est le prince de ce monde. C'est presque monde là. Mais le monde, avec toute cette la donne, d'après Matthieu 24, il dit la terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Le monde et ceux qui l'habitent. Le monde, c'est pour mon Dieu lié. La terre, toute ça la donne, c'est pour mon Dieu. Plan, histoire, monde là. Depuis le commencement, jusqu'à ce qu'il finit. Et dans mes bon Dieu lié, tout ça qui a fait, qui a passé à travers le monde, il n'est pas échappé la contrôle, le contrôle de Dieu. Il est en bas, contrôle, bon Dieu. Depuis bon Dieu, il y a une route qui a fait. Il a dit, parce que l'histoire du monde, il est dans mes bon Dieu. Depuis bon Dieu, il y a un monde, ou bien un président, ou bien un gouverneur, ou bien un roi, a fait un chemin qui coche. Depuis le parent d'un plan, ils deviennent. Parce que le monde pas dirigé pour quoi? Le monde, c'est pour mon Dieu lié. C'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a commandé. Gimbagay qui va le faire là, bon Dieu campé, il dit oh là, campé. Waouh. Waouh. Nous pral regarder texte là. N'ap tourner dans texte là. On regarde texte là encore. Il dit ce même jour sur le soir, Jésus le dit. Jésus dit disciples. Foule moun yo te la, mais Jésus voye foule moun yo aller. Jésus dit disciples an passe dans l'autre bord. Ça veut dire yo te en côté a passe en l'autre côté. Mais qui est-ce qui dit? Jésus l'a dit. Qui est-ce qui dit yo an passe l'autre côté a? Jésus. Il dit dans verset 36, après avoir renvoyé la foule, après avoir voye foule la aller, il l'emmène dans la bac. Yo menel dans la bac là, qui c'est Jésus. Il s'est trouvé
il y avait aussi d'autres bacs avec lui. La Bible dit pendant Jésus dans bac là, et qui est-ce qui disciple en passer l'autre côté? C'est Jésus. La Bible dit pendant Jésus dans bac là, gon vent qui levait sous la mer. L'eau commence à partir dans la canotte là. Disciple. Nous dit disciple Jésus, pas la foule, pas la grande foule. La Bible dit, texte la dit, l'eau commence à envahir la canotte là. Et les gens habitent avec ça. Parce qu'il y a des gens qui étaient des pêcheurs, des poissons, qui connaissent ça, ça veut dire. La Bible dit dans verset 38, Jésus t'a dormi. Ça me veut comprendre. Jésus lit à la fois Dieu et homme. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean 1er verset 14, Dieu fait le tourner monde. Il veut mourir pour sauver l'humanité. Il tabernacle, il prend forme, il tourne monde, il fait, il passe dans votre mari, il fait pour te venir sauver l'humanité. Maintenant ça me veut comprendre. Là, lis la Bible, gè côté ou après la Bible dit Jésus te grand goût, Jésus t'a dormi, dit pour ça yo. Ça fait appel à l'humanité de Jésus. OK? L'humanité de Jésus, il t'a dormi. Mais pas oublier, puisque l'eau commence à entrer dans la canotte là, n'est-ce pas paniqué? La foi n'est pas testée. Donc Jésus voulait tester la foi n'est pas. Et il que Jésus réveille, lui dit le maître. Ça n'a pas inquiété de ce qu'il a péri. Est-ce que ça n'a pas inquiété au maître là de ce qu'il a péri? Imaginez-nous, Jésus en tant que Dieu, et pas seulement homme, il est homme et Dieu. Nous disons c'est parti humain, c'est parti homme qui tape dormi, mais Jésus en tant que Dieu n'a pas dormi parce que l'Éternel qui a veillé Israël, n'a pas jamais dormi. Non. Si mon Dieu tape qu'on dormi, mais avant il n'a pas existé encore. Il n'a pas jamais dormi. Waouh! Qui est-ce qui dit nèg yo disciple yo en passe l'autre côté là? Jésus. La Bible dit nèg yo paniqué, yo souke Jésus réveillé, le dit mais est-ce que ça pas douan hein, est-ce que n'a péri? Yo peur, va ça? Yo peur qui ça? Yo peur pour yo pas mourir. C'est un réveil. Yo réveil, Jésus réveil. Il menace vent, il dit à la mer. Silence. Tais-toi. La Bible dit Jésus passait vent. Yo l'autre, il passait le dehors, il dit silence. Et puis il dit tais-toi, fais silence. Silence et puis il dit tais-toi. La Bible dit vent sisman. Qui est-ce qui crée le monde là? Eh bien, bon Dieu crée. Il est le créateur du monde. Dans Genèse 1, verset 1, Dieu est le créateur du monde. Alors, nous pensons, bon Dieu, tu as créé le monde là. Et puis, pour ne pas contrôler le monde là. Nous pensons ça? Dieu est le créateur de l'univers. Le monde, c'est pour lui. Alors, bon Dieu, t'as qu'à créer la mer, pas ça? T'as qu'à créer le vent. Et pour le pas qu'à dompter. Ça n'a vraiment drôle. Bon Dieu dit vent. Jésus-Christ dit vent. Silence. Tais-toi. La Bible dit vent six semaines.
parce que nous dit le créateur a parlé. Le créateur, il a parlé. M'a dit ça, ou pas besoin inquiéter ou. Ça qui a passé là, dans le monde là. Tout ça aussi bagaille qui se dessine de la fin des temps. Mais c'est pas encore la fin. Une bagaille qui est intéressant dans verset 40 là. Jésus-Christ dit nèg yo comme ça, pourquoi avez-vous ainsi peur? Pour qui ça non peur? Conversion qui dit j'en ai peu de foi. Pour qui ça non peur? Hein? Dis pour qui ça? Nèg yo peur. La Bible dit dans verset 41, il fut saisi d'une grande frayeur, nèg yo. Lè yo wè, yo gade yo wè vansisman. Jésus nèg divan. Jésus parlait avec la mer, il dit silence. Et tais-toi. Il menace le vent par l'allemand, dit silence. Et tais-toi. Et le vent c'est ça. La Bible dit nèg yo saisi. Youn tap di lot. Ki yes moun sa e même. Même vent ak la mer a obéi avec elle. C'est-à-dire déclaration ça nèg yo fait en bas. Bi ki yo tap marché avec Jésus. Mais yo pa chanm konnen ki yes Jésus te. Combien de monde qui a plusieurs années qui marche avec bon Dieu? Pendant le moment ça là, dans le moment qu'on a vu ça faire apparition là, c'est là ça. Il peut connaître qui est ce qui bon Dieu. Mais il y a des années depuis la marche avec bon Dieu, mais il ne peut pas connaître qui est ce qui bon Dieu. Et bien, nègre, tu es côté Jésus-Christ, mais il ne peut pas connaître qui est ce qui Jésus. Jésus te guette quand on est cœur, quand on est pensée. Il dit, m'brel passe non test. Qu'on a vu ça, son test lié. Son examen. La Bible dit, nèg yo saisi, youn tap di lot, quel est donc celui-ci? Qui est moun sa e même? Et même vent, ak la mer, obéi avèl. Qui est lié? Pour Jésus, ça son petit bagaille lié. Yo pa konn ki yes sa ki bon côté yo a. Dieu bon côté yo pa konn si c'est Dieu bon côté yo. Jésus 100% homme, 100% Dieu. Qui est-ce qui te dit yo on passe de l'autre côté a? Jésus. Jésus ta ka di non. La marche avec non. Li di li avec non. C'est ça que fait. Li di nan Matthieu, Jésus-Christ dit nan Matthieu 28 verset 20. L'El Tabralia, il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a quatre bagailles qu'on a besoin qu'on ait. Quatre bagailles qui sont très simples. Premier bagaille là, Dieu est avec nous. N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Bon Dieu avec nous, c'est ça qui fait pas besoin peur. Parce que bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Bon Dieu qui contrôle toute situation, pas une situation qui dépasse elle. Parce que qui ça qui passe, pas un pied chevé. Pas un pied chevé qui caraché dans tête yo monde. Tout autant, c'est pas temps qui rivé. Pour bon Dieu prendre pour quitter terre. Oui. Pas gon pied cheve qui cache dans tête yo moun. Yo serviteur de Dieu, pas gon pied cheve qui cache dans tête yo moun. Tout autant, c'est pas tant qui rive pour bon Dieu di ou l'arrivé qui t'était là. Ou doit prendre toute précaution yo mandé pour prendre normalement. Ou doit prendre toute précaution que médecin mandé pour prendre. Et capable dit système médicalement de pour prendre ou de prendre toute précaution qui qu'on capable prendre. Mais moun kap veye non, moun ki gen contrôle non, c'est l'Éternel.
si yon moun ou pas atteint dans moment ça là ou pas mourir, c'est pas parce qu'on pi intelligent, c'est parce que bon Dieu gen un plan pour ou, li konnen ki lèr la fò ki tete a. Même lorsque ou pas mourir pas moyen ça. Mais ou pas ouais, ni pour quitter la terre c'est pas caï non, la terre c'est pas des mères respectives non, c'est parce que n'a pas c'est nous c'est des voyageurs, nous c'est des étrangers sur la terre. Nous comprenons? Et même lorsque nos peur pour ne pas mourir, c'est bien. Mais n'a mourir quand même. N'a mourir quand même. Mais bon Dieu connaît qui plan li gen pour nous. Prébalé qu'il besoin qu'on est. Dieu est avec nous. Puisque bon Dieu avec nous, nous pas besoin peur parce que c'est lui qui dit lui avec nous. La gué nous nommé bon Dieu. La gué tout nous mêmes sans réserve nommé bon Dieu parce que bon Dieu gué contrôle toute bagaille, pas gagne qui échappe. Nada. Pas gagne qui échappe bon Dieu. D'abord avant ça arriver bon Dieu te connaît. Il va arriver. Nous même les nous arriver, nos peurs, nos inquiétés. Bon Dieu te connaît, ça va arriver. Des années. Mais dou ça m'a dou ça jodi a toute bagaille, tout ça qui dans plan bon Dieu, gien pour passer, y a passé. Y a fait parce que bon Dieu gien contrôle yo. Et gien bagaille qui pi terrible toujours. Cap gien pour faire apparition dans monde là. Bon si nous commencer trouble depuis qu'on connait a. Oui, gien bagaille qui pour arriver encore qui pi terrible dans le monde. Dieu est avec nous. En nous garder quelques versets qui montrent bon Dieu avec nous. Puisque bon Dieu avec nous, ça pour une peur. Nous pas pour une peur. Le Dieu de Jacob est avec nous. Ça pour une peur. C'est bon Dieu qui dit lié avec nous. Dans Ésaïe 41 verset 10, il dit ne vous inquiétez de rien. Non. Excusez-moi. Alors dans Ésaïe 41 verset 10, il dit ne crains rien, pas peur en rien. Même si nous avons gros vent à tomber, même si nous avons ciel à souquer, même si nous avons terre à souquer, même si nous avons quantité moun à mourir, quantité moun à mourir à gauche non, quantité moun à mourir à droite non, la Bible dit ne crains rien. Il dit car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Kekal. Pas un pied chevé qui caché dans la tête, non. En dehors de la volonté de Dieu. Bon Dieu, fixé un temps pour le prendre chaque petit lit. Oui, il a fixé un temps. Dieu a fixé un temps pour le faire appel, pour le faire chaque petite livinie. Vini joindre. Et tout en temps ça, pour qu'on arrive, pas qu'on piège avec caché dans tête. Et m'a dit ça, même si vous avez peur. Peur, pas qu'à faire qu'on pas mourir. Non, la peur, pas qu'à faire qu'on pas mourir. Mais sans besoin qu'on ait. Dieu est avec nous. Oui, me comprendre. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Proverbe 3, verset 5. Excusez-moi, psaume 118, verset 6. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pas appuyer sur sagesse ou pas appuyer sur connaissance ou pas appuyer sur ce qu'on est. Maintenant, si nous là, maintenant qu'on est dans le monde là. Tout scientifique, tout nèg qui a connaissance sur la science, tout bat bas devant maladie ça. Docteur, médecin, tout monde bat bas. Ça, li dépasser niveau, li dépasser capacité nous. Tout ça, c'est pour l'homme,
venir rendre compte, venir connaître qui est ce qui bon Dieu. C'est pour tout le monde mettre genou devant l'Éternel. C'est pour tout le monde connaître c'est bon Dieu qui bon Dieu, c'est lui qui a commandé le monde, c'est pour lui. Le monde c'est lui créé. Il est le créateur de l'univers. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Lui c'est Emmanuel. Il est Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Wow. Deuxième bagaille qui me besoin qu'on est sous la peur. Bon Dieu, pas seulement avec nous. Dieu est fidèle. Bon Dieu fidèle. L'idée est avec nous. Bon Dieu avec nous. Et ça me dit nous là. Le monde, c'est pour bon Dieu lié. Même si nous avons un monde là, souqué, monde là, souqué, monde là, souqué. Dieu est avec nous. Il est fidèle. Il est kembe parole. Dieu n'est pas un homme. Nous capables de faire bon Dieu crédit. Quoi nous samedi nous là, nous mettons fait bon Dieu crédit. Nous dit bon Dieu crédible. Nous mettons la gueule dans mes bon Dieu, j'ai fait main. Yon péché pas caché dans tête non, en dehors de la volonté de Dieu. Fait bon Dieu un petit crédit. Sou pa ka fè le gros crédit, mais ou doit faire le gros crédit parce que la Bible dit c'est pour nous faire bon Dieu crédit. C'est pour laguer nous dans mes bon Dieu parce qu'il dit li avec nous, li avec nous. Et il est fidèle, li kembe parole li. Dieu n'est pas un homme. Les bagailles difficiles, les bois marés pour le dire bon, n'te dit moi avec nous même mon côté là, m'pa capable avec nous comme fait faillite. Non, Dieu n'est pas un homme. Il est fidèle. Comptez sous la fidélité de Dieu. Pas garder sous situation où est qu'on pral perdre job ou pas travail. Comment on pral faire pour joindre job? Mais pas qu'être monde pas travail, on garder situation moun yo. Non, fixez yeux sous bon Dieu. Il est fidèle. Notre Dieu, il est fidèle. Nous sommes infidèles, mais Dieu est fidèle. C'est ça que fait. Nous n'avons pas besoin de peur. Hein? Nous n'avons pas besoin de peur. Nous n'avons pas de peur parce que Dieu est avec nous. Deux, il est fidèle. Il n'est pas seulement fidèle. En nous regardant le texte dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Troisième bagaille qui nous parle, nous c'est partnership avec Dieu. Nous c'est partenaire, bon Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous c'est ouvrier avec Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Il dit car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous c'est partenaires, bon Dieu. Nous sommes ouvriers. Nous c'est partenaires, bon Dieu. Nous c'est, nous t'as dit, nous c'est co-écœur. J'aime t'as dit. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec lui. Nous c'est ouvriers avec Dieu. Pour qui ça prend peur? Pour qui ça prend peur? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous n'avons aucune raison de nous inquiéter. Non pas que nous n'aurons pas de géants à défier. Nous pas besoin inquiéter, nous pas besoin pour nous inquiéter. C'est pas parce que nous pas gagné des géants pour des gros problèmes pour nous défier, mais parce que nous avons de notre côté celui qui n'a jamais perdu une seule bataille.
nous gagnons bon côté, non? C'est lui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Bon Dieu, pas jamais perdu une bataille. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance, nous n'avons pas à lutter contre des hommes, mais contre des puissances spirituelles. Notre seul allié dans cette guerre acharnée que nous devons mener, c'est celui qui nous a promis d'être avec nous tous les jours. Bon Dieu promet qu'il est avec nous tous les jours. La peur est là. Elle est réelle. Père, lila, li réel. N'a pas gardé là. Yon maladie kap tue des milliers de moun dans le monde. C'est normal pour nos peurs. Lila, c'est. Mais c'est à nous de ne pas la laisser en panique. Pour ne pas quitter le panique, non. En terreur. Nous devons maîtriser, nous devons gérer avant qu'elle transforme en cauchemar. Que votre peur de la mort et de l'au-delà vous rapproche de celui qui est la réponse au monde d'aujourd'hui. De celui qui est la réponse au monde aujourd'hui. Le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter. Il nous demande pour ne pas inquiéter parce qu'il nous donne les moyens. Il nous donne les moyens pour ne pas céder à la panique générale. Il nous donne la paix. Jésus dit ça, oui. Il nous la paix. Dans Philippiens 4, verset 6, 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu ne nous dit pas que rien ne nous arrivera. Bon Dieu pas dit non, rien pas privé, non. C'est pas ça la Bible dit. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Il dit, mais il nous promet d'être là avec nous au moment de la maladie, au moment des épreuves, au moment de la mort. C'est ça qu'elle dit, oui. Il n'a pas dit, rien n'est pas privé, non, mais il promet l'appli là avec nous. Dans le moment de la maladie, dans le moment épreuve, dans le moment de la mort. Le Seigneur est la réponse à ce monde. À ce monde qui vit dans l'angoisse et la peur. Si vous avez peur, sous peur de sa caprivé demain, si vous tremblez face à la mort, si vous tremblez face à, non dit avec virissa, alors, croyez que Jésus est le prince de paix. Jésus est le prince de la vie. Par sa résurrection, il a vaincu le problème de la mort. La Bible dit ça. Il a vaincu le problème de la mort. Oui. Nous avons l'assurance. Un jour, nous serons avec Dieu. Absolument rien ne lui est impossible. Pas gagner absolument rien qui est impossible pour mon Dieu. Il est le maître de la nature. La nature, nous dit, appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la nature. C'est Dieu qui a créé le monde. Corona, papi, faut passer bon Dieu. Remettre bon Dieu problème là. Remettre les causes là. Parce que c'est lui-même qui met le monde là. C'est lui qui a dominé le monde. C'est lui qui a dominé la nature. Retenez mes seigneurs pour le faire route avec vous. Pour faire chemin avec vous. Retenez mes seigneurs pour ouvrir les yeux. Pour ouvrir les pensées. Pour ouvrir l'esprit. Pour qu'on ne sait pas un moment pour nos peurs. Mais ce moment pour nous chercher la présence de bon Dieu plus. Parce que le monde nous dit. Le monde. Il y a pour le connaître en pile mauvais bagaille dans ces derniers temps. C'est pour nous retenir mes seigneurs, pour le faire route avec nous, pour le faire schéma avec nous, pour le garder nous calme. Pour ne pas quitter la peur, troubler nous. Mais pour nous gagner la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. Non que non. Retenir mes seigneurs pour le faire route avec nous, faire schéma avec nous. Amen. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions. Nous exaltons parce que tu as utilisé nos Seigneurs pour nous partager parole. Nous remercions, Seigneur, pour grâce, pour amour, pour compassion que tu manifestes envers nous. Parce que tu as utilisé, Seigneur, pour nous partager parole aussi. Merci pour grâce, merci pour amour. Merci pour compassion, Seigneur, que tu manifestes envers nous, Seigneur. Papa, je dis,
ou t'es utilisé. Merci Seigneur. Couvre-moi en bas puissance, en bas autorité, en bas pouvoir Seigneur. Cache-moi Seigneur en bas pouvoir, en bas puissance, contre toute flèche et mettre à lancer contre moi Seigneur. Moi m'en dossier caché famille en bas pouvoir, en bas puissance, en bas autorité. Seigneur, nous comptons sur vous parce que vous dites ou avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puisque tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous n'avons pas besoin de peur. Ou dit dans parole là Seigneur. Ou fidèle Seigneur. Ou pas changer parole. Même si ou dit dans Psaume 91 que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Waouh. De mes yeux seulement je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Car tu fais du terreau ta retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes tes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied n'y reste contre une pierre. Je foulerai les lionceaux et les dragons, puisqu'ils m'aiment. Je les réveille, je fais voir mon salut. Merci Seigneur pour grâce. Parce que Psaume 91, verset 1er, il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Seigneur, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce infinie, ton amour infini. Papa dit amour de miséricorde. Nous connaissons ennemi en puissant, nous connaissons ça, ennemi en puissant. Mais seul bagage qui nous connaît, ou même, ou c'est le Tout-Puissant, ou c'est El Shaddai. Seigneur, nous connaissons ou omniscient, on a toute connaissance, mais nous connaissons ennemi en pas Tout-Puissant, ennemi en pas toute connaissance, ennemi en pas contre tout bagage qui a passé, ou connaît tout bagage qui peut passer dans le monde. Le monde appartient avec au Seigneur. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons parce qu'on cache nos, parce qu'on couvre nos Seigneurs, parce qu'on couvre des serviteurs Seigneur. Dans le monde là, nous connaissons pile monde paniqué. Seigneur, t'en prie, merci parce que vous mettez la paix dans nous Seigneur. Vous faites la paix. Non pas troublé parce que nous connaissons avec nos Seigneurs. Merci Seigneur pour grâce. Merci Seigneur pour amour, pour compassion, miséricorde, vous t'exercez envers nos Seigneurs. T'en prie Seigneur. Nous sommes capables, Seigneur. Ou bien contrôle le monde à tout ça que la donne. Tant pis, Seigneur. Nous réalisons pile monde à mourir dans le monde là, Seigneur. Et les gens qui mourent comme ça, Seigneur. Si vous pouvez faire la paix avec le monde, ça vous aller dans l'enfer direct à la fin des temps. Et c'est ça que fait ennemi. Hein? Nous dit, li fait, nous dit, la fait ravage dans le monde. Mais nous connaissons. Pas grand rien ennemi capable de faire en dehors de la volonté. Ou. En dehors de volonté par où, si est en prie, manifestez présence ou, continuez manifestez présence ou dans le monde là, Seigneur. Continuez parler, Seigneur. Continuez parler, Seigneur. Continuez parler, Seigneur. Continuez parler, Seigneur. Quittez regard maintenant sur le monde là, Seigneur. Quittez regard sur le monde là, Seigneur. Kounia, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, manifestez présence ou Kounia, Seigneur. Parce que pile monde qui a mouru dans le monde là, Kounia, Seigneur. Là nous garder monde qui a mouru Seigneur, pas seulement côté nous yéa qui a mouru à travers le monde en Italie. Nous garder 1000 monde a mouru en seul jour. N'a garder New York en pile monde a mouru New York. On paquet monde a mouru dans différents états. Et grand monde sont mouru Seigneur pour qu'on faire la paix avec au Seigneur. Il est mouru sont pas faire la paix avec au Seigneur. Monde sont là pour l'enfer éternel Seigneur. Papa t'en prie en pile homme a perdu là dans monde là encore. Seigneur t'en prie Seigneur parlez. Parlez Seigneur, parlez Seigneur. Même Jean Jésus maintenant t'es fait, t'es calmé, t'es dit la mer. Il t'a dit vent, t'as venté sous la mer. Il dit tais-toi. Il dit silence, tais-toi. Nous qu'on est côtoyé à Seigneur. Ou qu'a seulement dit, toute bagaille rentre dans l'audio. Et toute bagaille rentre dans l'audio Seigneur. Nous comptons sur Seigneur parce qu'on a pouvoir, on a puissance. Nous quoi dans pouvoir, nous quoi dans puissance au Seigneur. Pas grand, yon pas qu'à faire Seigneur. Pas grand yon pas qu'à faire Seigneur. Pas grand yon pas qu'à faire parce que ou omnipotent. Omnipotent, non omnipotent sou ou gen tout pouvoir, gen toute puissance. Pas grand yon pas qu'à faire Seigneur. Nous croyons ou gen pouvoir, gen puissance Seigneur. Et c'est ça que fait nous là encore nous exister. C'est parce que ou gen tout pouvoir, gen toute puissance. Seigneur t'en prie. Parlez Seigneur, dis un mot. Nous comptons sur vous Seigneur, kounia Seigneur. Nous comptons sur vous kounia Seigneur. Ou à parler Seigneur. Pour toute bagaille rentrer dans l'ordre. Toute bagaille reprend place, Seigneur. Papa, nous comptons sur vous. Nous demandons aux personnes d'amour de miséricorde. Ou va couvrir famille en bas puissance ou en bas autorité. Ou va couvrir chacun de monde qui a une chance pour coûter étude ça et pour partager. Couvrir chacun de monde, Seigneur, qui prend coûter étude ça. Couvrir en bas puissance ou en bas autorité. Nous comptons sur vous, Seigneur, parce que vous êtes avec nous. Papa, t'en prie.
Maman do Seigneur kounya Seigneur. Marre toute force diabolique sous différentes formes. Mettez quoi dans pied, quoi dans bouche au Seigneur. Marre au Seigneur. Marre au Seigneur. Marre au Seigneur parce que grand pile monde cap mourir dans monde la Seigneur. Libérez au Seigneur. Libérez au Seigneur. Libérez monde la Seigneur. En bas, on est capable dire épidémie ça. Nous comptons sur vous Seigneur parce que vous avec nous et nous quel. Nous comptons sur vous Seigneur parce que vous dites la parole là ou avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous pas pour nos pères Seigneur parce qu'on avec nous. Papa t'en prie. Retirez esprit de peur ça. Dans servante et serviteur qui servi ou qui fait la paix avec vous déjà parce qu'il est troublé à travers ça qui passe dans monde là. Papa t'en prie. Nous pas pour parce que nous bon. Nous prions dans le nom de Jésus ton fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Magnifique description du retour de Christ. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père Céleste, d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as protégés, nous a permis de passer une bonne nuit, une bonne journée sans aucun malheur, sans aucun accident. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur de nous protéger, de nous guider. Nous te demandons Seigneur d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, c'est par le ventre et l'espoir qui entre la caille ou étude pour là. Nous commençons à étudier un thème, donc j'en ai dit là. Donc, nous allons avec aujourd'hui l'eschatologie ou les temps de la fin. Donc, nous avons une étude qui résume, n'est-ce pas, comment on n'a pas dit monde là. On a vivre là comme elle a fini. Donc, son étude sur eschatologie. On dit eschatologie, il vient des deux mots grecs. Eschatologie, nous jeune mot ça, doctrine ça, il composé de deux mots grecs qui c'est eschatos, qui c'est le temps de la fin, et logos, qui c'est étude, discours, science. Donc, l'eschatologie ou les temps de la fin. L'eschatologie, n'est-ce pas, ou l'étude, n'est-ce pas, des temps de la fin. Donc, nous commençons comme ça. Nous allons ensemble avec vous. D'abord, enlèvement de l'Église. Maintenant, enlèvement de l'Église, l'expliquer ça. Jésus pas mettre pied sous la terre. OK? On a besoin comme ça. Dans l'enlèvement de l'église, Jésus pas mettre pied sous la terre. Jésus a prêté dans les airs. Il pas mettre pied sous la terre et nous même n'a monté pour nous rejoindre. Donc en regard dans texte dans d'abord, nous c'est venu de Jésus, maintenant rencontre avec Jésus.
Maintenant, ça, c'est la première résurrection. En nous regardant le texte, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. Nous lisons ça. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Waouh! Maintenant ici, là, nous regardons le texte là. Texte là, lui montrer, n'est-ce pas, dans l'enlèvement de l'église là. L'enlèvement de l'église a fait Jésus. Pas mettre pied sur la terre. Ça, c'est pour les bagages qu'il y a besoin qu'on ait. Dans l'enlèvement de l'église, Jésus pas mettre pied sur la terre. D'abord, dans le texte là, il dit et au son de la trompette des dieux, d'abord, il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel. Il dit et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire moun ki te mouri en Christ yo, y a ressuscité en premier. Il dit ensuite. OK? Ensuite après nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des lieux. Nous les vivants là parler là. Nous dit ce sont des chrétiens vivants dans moment ça qui sous la terre, ok, cap mette avec moun qui te mouri en Christ pour nous rencontrer Christ dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça veut dire que pap mette pied sous la terre, ok, la prête dans les airs, nous même na monte pour nous rencontrer Christ ensemble avec moun qui mouri en Christ, même moi en Christ a ressuscité en premier. Maintenant, lui dit dans le texte là, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a monté avec nous dans le ciel. On regarde un texte dans Apocalypse 5, verset 11. Apocalypse 5, verset 11. Apocalypse 5, verset 11. Il dit comme ça, « J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte, verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. L'agneau qui a été immolé ici, c'est Jésus, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Nous dit, nous besoin comme ça. Nous dit, rencontre avec Jésus, c'est la première résurrection. Nous dit, dans la première résurrection, Jésus pas mettait pied sous la terre, l'a prêté dans les airs. Nous dit, moun qui te mou en Christ, parce que il y a un temps avec Christ déjà, esprit y a un temps avec Christ déjà. C'est seulement il va recevoir un nouveau corps et nous même qui chrétien et bien n'a transformé corps ça nous gain l'a transformé, l'a subi une transformation et n'a mettre avec eux pour rencontrer Christ dans les airs. Maintenant texte est clair, il dit que le Seigneur lui-même a ainsi à donner à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ouais, l'a descendre sur ton ciel là. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, le mort en Christ est priorité. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous même qui vivants, ça veut dire qui chrétien, qui capretea, nous tous nous enlevé ensemble avec moun qui était mort en Christ pour nous rencontrer Christ dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, ça, nous besoin qu'on ait, c'est que il y a deux bagailles. Le Christ a retourné, ou bien je nous vivant, ok, ou bien
ou gen tan mouri. Ça qui est intéressant, il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il va dire vivant, il va dire chrétien qui vivant, il dit mort en Christ, il a ressuscité en premier. Il a metté avec chrétien qui vivant yo pour y aller rencontrer Christ dans les airs. On dit ça, c'est première résurrection. Maintenant, rencontre avec Jésus, ça a fait la première résurrection. Ça veut dire la première résurrection, tout monde qui était mort sans Christ qui était sur la terre, qui n'est pas sur la terre, qui était mort sans Christ qui dans tombe, monde ça a continué rester dans tombe là. Béni soit l'Éternel. Monde ça pral passer pile temps dans tombe là parce que raison nous pral ouais. Ça fait monde ça pral passer pile temps dans tombe là. C'est ça que fait. Nous toujours dit ça dans étude n'a fait préparation pour aller vivre. On est capable dire avec Christ éternellement, il fait sous la terre. C'est sous la terre, lieu côté préparation ça fait taille sous la terre. Si pardon sous la terre, c'est plaisir ou apprend. Ou pas accepter Christ comme sauveur personnel ou mourir sans Christ. Il est vrai, ça fait normal. Ou mourir sans Christ, ou pour passer vie ou dans l'enfer éternel. Parce que préparation ça, il fait sous la terre, c'est pas dans le ciel il fait. Libre le fait. C'est depuis sous la terre ou fait préparation ça pour aller vivre avec Christ pour l'éternité. OK? Maintenant, nous dit rencontre avec Jésus c'est première résurrection. Maintenant, pendant nous fait ça nous monter avec Christ. OK? Christ lui-même, il était dans les airs nous monter dans la journée. Il prend avec nous directement dans le ciel. OK, nous pral participer ça relé, nous pral gain pour nous passer devant le tribunal de Christ. Nous pral gain pour nous expliquer texte ça qui c'est le tribunal de Christ. Maintenant, on regarde un texte dans 1 Corinthiens 3 verset 9 16. OK, nous pral aller dans la Bible d'abord. 1 Corinthiens 3 verset 9 16. 1 Corinthiens 3, verset 9, 16. Nous lit comme ça. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous pas comme ça? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire, nous travaillons avec bon Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Nous sommes caille bon Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, après le cap parlé, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Il pose le fondement et on l'autre bâti sous lui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est pour chaque monde qui bâtit sous lui, fais attention. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec du bois, avec du foin, avec du chaume, ça sont des métaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, jour a fait connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, la révélée dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Du feu a révélé l'œuvre de chaque monde. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si travail monde dans lui consumé, il perdra la perdue récompense là. Il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Il sera sauvé comme au travers du feu. Soulignez ça dans la Bible. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. La perdue récompense là, mais l'a sauvé. Mais comme au travers du feu. N'a pas expliqué ça avant d'aller plus loin. Maintenant, texte ça. Question de récompense. OK? Les questions de
récompense. D'après dit ça dit encore. Texte ça li question de récompense. Et pas question de salut, li question de récompense. Maintenant, nous dit que nous pral gen pou nous passer devant le tribunal de Christ. Maintenant, nous dit le tribunal de Christ, mot grec, maintenant qui traduit tribunal là. Nous dit c'est bema. OK? Bema. Maintenant, tribunal de Christ qui c'est le bema. Puisque nous gétant enlevé, nous gétant avec Christ, il pas gagné pour avec ça relé le salut parce que nous gétant enlevé, nous gétant avec Christ déjà. Maintenant, après elle passe devant le tribunal de Christ. Maintenant, la Bible relé ça jugement du croyant. Maintenant, jugement du croyant, ou pral passer devant le tribunal de Christ pour capable recevoir récompense. Tout chrétien qui sous la terre qui tap travail pour Christ, donc ou moins qu'a fait étude ça, bon Dieu ouais m'a fait étude ça, m'a partagé parole li, et bien moi gagne récompense moi pour ça. OK? Ou même qui est dans l'église qui converti depuis longtemps ça, et bien ou besoin chercher un travail pour faire pour Christ. Parce que tout membre qui fait partie corps, pas un membre qui fait partie corps qui inutile, des pour son membre pour faire partie corps Christ là, faut faire un bagage pour Christ. Ou même cap aider partager étude ça yo. Ça veut dire les études ça partager ou voyer le bazan monde, ou voyer l'inc là ba un monde, ou partager, ou partager l'évangile, ou recevoir récompense qui c'est couronne pour ça. Maintenant devant le tribunal de Christ, maintenant c'est possibilité pour recevoir couronne pour travail qui est fait. C'est-à-dire, tribunal de Christ, li fait pour le chrétien. OK, devant le tribunal de Christ, non dit c'est pas puisqu'il parle des mots tribunal, il y a monde qui pense c'est un jugement de condamnation. Non. Parce qu'il dit dans Romains 8 verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire devant le tribunal de Christ maintenant, c'est pas pour aller recevoir condamnation. Parce qu'on est avec Christ déjà, hein, bien aimé. On est dans le ciel avec Christ déjà. Pas gagné pour avec condamnation. Maintenant, c'est pour recevoir récompense. Je vous dis ça dans l'étude que je fais. Le salut, c'est un bagage qui est gratuit. OK? Nous gagnons le salut gratuit, gratuit. Nous pas gagné de faire pour ça. Salut, à nous gagnons gratis, chérie. Pas gagné de faire pour ça. Mais pour récompense là lui-même. Les noms dit les récompenses n'est-ce pas sont méritoires, ça veut dire faut travail. Pour jouer une couronne mes amis, faut travail. Est-ce que un monde ta ka décrète ou pas travail pour penser ou une couronne? Non, yo pas ka couronner un monde qui pas travail. Donc pour jouer une couronne, faut qu'on travaille dans l'évangile et puis faut qu'on fidèle avec Christ. Tout monde qui t'appelle, t'a servi Christ, ou t'es fidèle dans l'évangile. Gain récompense pour ça, gain couronne pour ça. C'est ça que fait nos besoins vivre dans la fidélité. OK? Maintenant devant le tribunal de Christ, nous dit c'est pas on va passer devant le tribunal de Christ pour recevoir sentence, jugement, mais c'est pour recevoir couronne. C'est ça que fait le dit dans texte que nous soutenons dans 1 Corinthiens 3 verset 9 16. Il dit que si on est capable de dire mon dans les brûler, les dit les brûler, ça veut dire que mon ça a été dans l'église mais pas dit rien. Il pas fait rien, il pas prêcher l'évangile, il pas évangéliser, il pas jamais fait rien, il pas jamais mené au monde by Christ. Eh bien mon ça la Bible dit l'a sauvé mais il perdu récompense là. OK, il sauvé sans couronne, il sauvé sans récompense. OK. On regarde 2 Corinthiens 5 verset 10. On le texte. 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. OK, on va avancer. Il dit dans verset 10 là, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal. L'El dit tous ici, fais attention. Enfin, les gens ont pris la Bible. Ou besoin de porter attention. OK. Pour pas avoir monté. Il dit, il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Là, il dit tous là ici. Le mot tous ici, il n'y a pas dit tout le monde qui n'est pas contre Christ. Tout ça, il est question de
l'église, OK, chrétien moun ki sauvé, moun ki accepté Christ comme sauveur personnel, qui sauvé. Et pas moun kap joué dans l'évangile qui pas sauvé, kap joué dans l'évangile non, moun ki sauvé. Il dit nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. Faut que nous tous paraître devant le tribunal de Christ pour que ça afin que il ait raison, afin que raison chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Maintenant c'est pour nous tous paraître devant le tribunal de Christ pour nous recevoir couronne. OK? Pour nous recevoir couronne ou bien pour ne pas recevoir rien tout. Parce que devant le tribunal de Christ nous dit ses œuvres. OK? La Bible dit ça, jugement des œuvres ou bien jugement du croyant. Nous connaissons ça, nous pas sauvés par les œuvres, mais nous sauvés pour nous faire œuvres. Donc sous chrétien ou ses serviteurs de Dieu ou besoin faire œuvres. C'est pas œuvres là qui sauvé ou, mais ou fait œuvres parce qu'on sauvé. Donc ou pour aller devant le tribunal de Christ pour aller recevoir OK couronne pour bien ou bien mal côté fait dans corps ça. C'est peut-être ça nous va passer devant le tribunal de Christ pour recevoir couronne. OK ou bientôt pour ne pas recevoir rien. Si nous pas travail, nous pas capable de recevoir couronne. C'est mon qui travaille capable recevoir couronne parce qu'on pas capable travail pour espérer que on va recevoir couronne. OK. Nous dit et n'a pris un texte encore. Il dit qu'il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il y a quelqu'un qui peut faire ça qui mal interprété, qui dit que eh bien nous pas passer devant le tribunal de Christ pour aller dans l'enfer ou bien pour y aller connaître, pour aller juger pour nous connaître si nous pas dans l'enfer ou pas. Non. Nous étant avec Christ déjà mes amis dans le ciel, pas rien pour voir avec texte ça pas rien pour voir avec l'enfer, pas de bagarre comme ça. Passer devant le tribunal de Christ maintenant, c'est pour aller recevoir récompense parce qu'on est sauvé déjà. Nous parti, nous dit première résurrection, nous sommes donc tribunal de Christ maintenant, sortir dans tribunal de Christ, on va entrer dans ça relé festin des noces de l'agneau. Maintenant, youpi. L'en sorti devant le tribunal de Christ. Nous pral participer dans festin des noces de l'agneau. Ça c'est en fête lié. Christ pral fêter avec l'église, la Bible dit le festin des noces de l'agneau. On regarde Apocalypse 19 verset 1 et 9. Apocalypse 19 verset 1 à 9. Apocalypse 19 verset 1 à 9. Il dit que après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait, n'est-ce pas, la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix forte sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme d'une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gozo. Et comme un bruit, n'est-ce pas, des forts tonnerres, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donne-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Soulignez ça pour nous, l'âme du bois. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée, qui c'est l'Église qui s'est épousée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Souligne encore. Il dit, bien-aimé pour le monde
n'est-ce pas, que yo relé dans festin de l'ordre de la Yoa. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous dit, d'après le 19 verset 1 jusqu'au verset 9, nous prenons le passé, n'est-ce pas, nous prenons le participer dans la fête ça qui se festin de l'ordre de la Yoa. Tout chrétien qui est sauvé, qui est avec Christ, ou pral participer nan fèt ça et me souhaiter ou même k'ap suivre étude ça ou là fait tout moyen possible pour là pas quitter bagay la terre prend tête ou fait ou pas participer nan festin de l'ordre de l'agneau c'est pour là moi même m'ap là et n'ap là au nom de Jésus festin des noces de l'agneau nous dit schéma très clair nous ressuscité moi en Christ avec chrétien ensemble nous ici dans la rencontre Christ dans les airs Christ monte avec nous dans l'église il va passer 7 heures avec nous en l'air dans l'église dans ciel là et bien nous va passer devant le tribunal de Christ pour nous recevoir couronne ou bien récompense et après nous partir dans festin des noces de l'agneau et pendant ce temps nous va voir ça qui passer sous la terre pendant nous même nous avec Christ n'a réjoui nous va voir ça qui passer sous la terre parce que l'église fin enlevé. Tout bagaille pas fini, la terre va continuer fonctionner et nous va voir ça. Tout bagaille pas fini, la terre va continuer à fonctionner normalement. Nous va voir mais qui ça qui passer sous la terre dans moment ça. Ciao. Et pendant ce temps, n'est-ce pas, sur terre cette année de tribulation. On dit Christ va passer 7 ans avec l'église dans le ciel et pendant 7 ans ça, n'a pris joie avec Christ en l'air, eh bien la terre lui-même va connaître des grands problèmes. La terre pral connaît des grands problèmes, n'est-ce pas, des grandes difficultés. Et nous dit 7 ans ça, en l'espace de 3 ans et demi, n'est-ce pas, les divisant en deux parties, en l'espace de 3 ans et demi, l'Antéchrist établira une sorte de paix avec Israël et permettra la reconstruction du temple de Jérusalem. Nous dit, l'Antéchrist la pral fait un accord ou bien un pacte avec Israël. À quoi ça a? La fête pour une période de 7 ans. Mais la Bible dit, dans moitié de ce temps, qui c'est 3 ans et demi, Antichrist a pral mette griffe li dehors, il pral violer accord li te fait avec Israël. En nous gade Apocalypse d'abord, en nous gade Apocalypse 11, verset 2. Béni soit l'Éternel. Apocalypse 11, verset 2, il dit: mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors. Et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Souvenez ça pour nous. Il dit que elles fouleront aux pieds la ville sainte. La ville sainte qui c'est? Jérusalem. Ok? Elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Maintenant, 42 mois, c'est facile pour eux. 42 mois, alors divisé par 2. Alors, ce n'est pas par 2. 42 mois, c'est 3 ans et demi. C'est facile, mais il fait avec 30 jours, période de 30 jours pour chaque mois. Donc, 42 mois, c'est 3 ans et demi. C'est facile pour elle, parce qu'il prend 30. L'on prend 30, ça veut dire, ou prend 30 jours, ok, pour un mois. Maintenant, on prend, disons, 12 mois, ok, 12 mois, et nous gagnons 12 mois, qui c'est un an, nous gagnons 24 mois, qui c'est 2 ans, nous gagnons 36 mois, qui c'est 3 ans, et puis plus 6 plus 36, ça vaut 42. Donc 42 mois, qui c'est 3 ans, et demi. Il dit qu'elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Nous dit que, et en nous gardons texte, nous dit 7 ans, il va diviser en 3 ans et demi, 3 ans et demi. Nous gardons texte qui parlait des les 70 semaines de Daniel, mais nous apprenons d'abord, c'est Daniel 9, verset 24. Daniel 9, verset 24 et 27. Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9, verset 24 et 27. Daniel 9, verset 24. Il dit dans verset 24, 70 semaines
ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. C'est Nouvelle Jérusalem, ok? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sachez-le donc et comprends-le et comprends. Depuis le moment où la parole a été, où la parole a annoncé, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Béni soit l'Éternel. Il n'y aura pas de successeur, n'est-ce pas? Qui c'était Messia. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La faisant solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Béni soit l'Éternel. Une semaine ici, il n'est pas interprété de manière littérale. Ok? Une semaine ici nous dit, nous connaissons une semaine, il y a 7 jours. Eh bien, une semaine ici, c'est une période de 7 ans. Ok? Il dit, et durant la moitié de la semaine. Alors, durant la moitié de la semaine, ça veut dire pendant moitié semaine, ça veut dire pendant moitié 7 ans, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Là, texte, il y a question directement de l'Antichrist. Antichrist là, il va faire un accord, j'aime dire, on alliance avec Israël pour une semaine, ça veut dire pour 7 ans. Et puis durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Tout ça nous dit li expliquer clairement Antichrist là nous dit li pral violer accord li te fait avec Israël là. Maintenant nous dit nous le texte aussi dans 2 Pierre 3 verset 8. 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 2 Pierre 3 Débit en verset 8, il dit, mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. Ça veut dire, pas doit ignorer, ça veut dire, doit qu'on est. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Béni soit l'Éternel. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Nous dit, tant que je ne sais pas, maintenant 70 semaines de Daniel là, nous dit ces périodes 7 ans qui divisé en deux parties. Dit clair, li pral fè yon solide alliance avec plusieurs pour une semaine. En parlant de Antichrist là, texte ça révèle Antichrist là. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables. Le dévastateur ici nous dit c'est l'Antichrist. Il pral commettre, n'est-ce pas, les choses les plus abominables, les plus tristes. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ok, maintenant, nous toujours pas avancé pendant ce temps sur terre, ce temps de tribulation. Ça, c'est bagarre qui a passé sous la terre. On dit que ça pral dominer moun, pral dominer moun yo. Donc, laisse ça, pral gon sel kob. Ok, sou pas d'accord, pral son pap ka manjou, pap ka pap bre. Mais si laisse ça, la terre pral gen problème. Donc, on t'a dit qu'on y a là, l'église est sur la terre, t'es gain pour problème, la terre pas de jamais gain problème. C'est qu'on y a la terre pour la consacrer les problèmes pendant règne, Antichrist après frapper sur la terre. Laisse ça, pas oublier, nous avec Christ. Alléluia, merci Seigneur. Donc, nous disons cette année de tribulation, cette année de problèmes, c'est peut-être ça la Bible, les grandes tribulations. Ok? Puis,